Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à vous. Partagez le live. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. C'est très grave ici aux États-Unis. Venez, on va en parler. Venez, venez, partagez, partagez, bipez les autres. C'est très grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Venez, oh, venez. Il y a le Japap. Venez, vous allez savoir de quoi il est question. C'est comment, non? Venez, 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 venez. Il y a une de nos jeunes sœurs camerounaises au nom de Tchangou Muriel qui a fait fort, qui fait fort aux États-Unis. Venez, on va parler d'elle et on va dénoncer. On va dénoncer. Parce que ce n'est pas un fléau qui attaque rien que les États-Unis, c'est dans la diaspora. Cette méchanceté-là, venez, vous sauriez pourquoi. Venez, 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 venez. Venez. C'est grave. C'est grave. Il y a une Camerounaise au nom de Tchangou Muriel qui est en train de faire fort ici là. Oui, il paraît que c'est la fille du monsieur qui a l'hôtel Serena. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel qu'on appelle l'hôtel Serena, je ne sais pas. Il paraît que c'est son parent qui a cet hôtel là. Partageons le live. Pardon, partager afin que le message soit passé. On ne peut pas soutenir le fait que les Camerounais partent dénoncer d'autres Camerounais à l'immigration pour qu'on les rapatrie. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. C'est très important. Ce n'est pas un live de clash, mais c'est un live de dénonciation. C'est un live de dénonciation. Nos jeunes frères qui sont au Cameroun, ils se lèvent. Ils prennent la route du Boza. Hein, il souffre, il souffre, il souffre. Hein, ce n'est pas le Boza de l'Europe. Hein. Le Boza des États-Unis, c'est un autre truc. Il traverse tous les pays des Mexicains là. Il traverse le Panama. Et le Panama, c'est l'un des pays les plus vraiment. Qu'on ne peut même pas, je ne veux pas dire ça parce que faites-vous maintenant les mots inja là. Hein. Il traverse le Mexique. Vous-même, vous connaissez le cartel. Le cartel du Mexique. Vous-même, vous connaissez, vous êtes conscient. Il traverse le Pérou, il traverse beaucoup de pays, au moins 5 pays. Hein? Et ils arrivent au Mexique, ils mouillent le maillot au Mexique des années et des années. Des années et des années, j'ai des gens au Mexique que jusqu'aujourd'hui sont là. Ils ne sont pas encore entrés. Quand ils réussissent à entrer, une personne, les filles à papa, celle que papa a tout donné, elle est venue dans l'avion tranquillement. Peut-être parce que non, il n'y a pas eu un dossier de Mourouli qui s'est mal passé. Elle s'engage à « write up ». Elle s'engage à partir à l'immigration et dénoncer, pas que dénoncer, elle part à l'immigration, exposer ses frères et on les arrête pour les rapatrier au Cameroun. Mes frères, quand j'ai reçu ce message, c'est mon petit frère qui m'a envoyé ça hier, il me dit que Dorcas, regarde ce qui est en train de se passer, c'est grave. Il y a une fille camerounaise qui est en train de hein? Les gars qui ont Boza, elle écrit sur eux. Elle écrit sur eux à l'immigration. Pour qu'on les rapatrie au pays. Pourquoi tant? Partager le live, non. Ça ne monte même pas. Partager. Oui, partager. Moi, je ne sais pas pourquoi vous regardez, vous ne partagez pas. Ça vous coûte quoi de partager? Ça ne vous coûte rien. Partager, non. On doit dénoncer. Quand si je disais maintenant que Ngossa Flore de Lille, vous deviez partager ça partout. Mais maintenant, on parle d'un truc, on doit interpeller les gens que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est méchant, c'est très méchant, c'est inhumain même. De dire que tu vas quitter pour aller exposer, écrire à l'immigration, Seigneur, contre une autre personne pour qu'on le rapatrie. Après tant de souffrances qu'il a mouillé le maillot pour entrer en bain. Pour entrer ici aux États-Unis. Le Boza des États-Unis, ce n'est pas le Boza de Mbeng. Ce n'est pas le Boza de Mbeng que vous passez par la Tunisie, quoi, que et ils connaissent les Africains, ils sont Africains, ils menacent d'autres. Mais ça, c'est le Boza des pays de Latinos. Et ça ne donne pas le lait là-bas.
Merci Miranda de partager. Pardon, attendez, je regarde d'abord. Je regarde. Moi, ma page n'est pas monétisée. Moi, pour venir m'asseoir, bavarder comme ça, là, pour rien, là, vraiment. Moi, je crois que c'est un sujet qu'on ne peut pas laisser ça partir. Que les filles continuent, qu'elles continuent, et même les hommes font ça. Moi, je ne comprends pas comment une personne va se lever. Tu écris sur quelqu'un à l'immigration pour ces problèmes de papier. Moi, je vais vous conter ma propre histoire. Partagez. Quand vous comptez ma part d'histoire, vous allez couler les larmes. Partagez le live. Vous allez voir comment l'homme camerounais est méchant. Le camerounais est d'une méchanceté que vous voyez tout ce qu'on dit au Cameroun là. Quand il vous dit souvent ici là qu'on mérite ça au Cameroun, vous dites que non, machin, machin. On mérite ça. Le Camerounais est d'une méchanceté qui n'a pas son nom. Regardez un peu seulement. Quand il vous dit souvent que l'homme camerounais est d'une méchanceté qui ne s'explique pas, vous dites que non, 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 hein, vous dites que non. Les Camerounais sont d'une méchanceté. Le Camerounais part avec celui qui va faire le mal à son frère. Je vous donne un exemple très simple. Regardez une dame qui est venue. Regardez une dame qui vient sur la toile. Que on dit que regardez. Attends, tu réponds, tu dis monsieur, plus qu'on t'a eu ensemble. Attendez, il y a un message très important qui est entré là. Yeah. Une minute, pardon. Une minute. Moi, je vais vous conter ma propre histoire. Ce que moi, un Camerounais m'a fait ici, là. Avec ces histoires d'immigration, je vais vous raconter. Il est là, je vais donner son nom. Je vais donner son nom. C'est un Camerounais des États-Unis. Je donnerai son nom. Je n'ai pas peur de lui. Je vais donner son nom. Il saura. Vous comptez l'histoire. Partagez le live. Partager. Ouais, ça c'est même quoi ça comme ça. Hein? J'ai dit que moi, je vous dis que les cam. Ouais, Seigneur. Partager, non, moi-même je partage alors. Comme vous ne voulez pas partager le live, vous voulez seulement me regarder sans partager. Moi, monsieur, mamie n'a partagé. Attendez-moi, mais je partage mon live. Ça, c'est pas la jeune fille, 31 partages, quand même. Partagez, faites encore un dernier effort. Ce n'est pas le Congo, ça. Je crois que c'est un live de dénonciation qu'on doit dénoncer. Quand c'est le Congo, ça pouvait dire que oui, vous ne partagez pas parce que vous ne voulez pas. Mais ça, ce n'est pas un live de clash, c'est un live de. On veut dénoncer. Je veux que vous partagez enfin qu'on parle de ce fléau. Il y a les Camerounais qui écrivent à l'immigration pour dénoncer les Camerounais qui sont en situation irrégulière et on les rapatrie. On les rapatrie au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit vrai pour cette fille, que ce ne soit pas vrai, on est là aujourd'hui pour dénoncer un fléau. Les Camerounais sont très forts.
quand il s'agit de partir avec le diable pour faire du mal à d'autres Camerounais. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Regardez un peu la dame Malamla qui est sur Facebook en train de faire le sale. Les Camerounais sont versés là-bas que en train de l'aider à dénigrer d'autres gens, en train de l'aider à exposer la vie des gens, en train de l'aider à mentir sur la vie des gens. Moi, j'ai vu un live là où elle a fait, là où elle est très fière de la mort de Mado de Paris, comme quoi elle réclame cela. Elle réclame cela et elle menace même d'autres gens. J'aime voir les Camerounais là-bas en train de l'envoyer les cœurs, en train de commenter, en train de la soutenir dans la mort de quelqu'un. Dans la mort de quelqu'un. Disons même que tu as les pouvoirs, même si tu as les pouvoirs, on t'a donné les pouvoirs là pour que tu viennes faire du mal aux autres, pour que tu viennes tuer les gens. Dis-nous une fois que tu es Dieu, parce qu'au niveau là où tu es là, il manque un peu comme ça, tu vas nous dire que c'est toi Dieu. Parce que tu dis que tu es au-dessus de au-dessus. On t'a demandé que bon, toi tu es qui alors? Dis-nous une fois que tu es Dieu, on va quitter sur ça. Parce qu'au niveau là où nous sommes là, bientôt tu vas venir là nous dire que c'est toi Dieu même, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Que même le pouvoir de Dieu ne vaut pas ton pouvoir. Bientôt tu vas nous dire ça. Bref, le sujet n'est pas sur toi. Quelqu'un te toque à ma poche, je sais que c'est qui. Yes, who is that? Who is that? C'était pas ici chez moi, ça devait être chez le voisin. Les Camerounais sont forts. Les Camerounais sont forts pour faire du mal aux autres. Je vous jure la vérité. C'est pourquoi vous voyez, quand un Camerounais fait quelque chose, les autres se constituent pour seulement aller détruire la personne. Tu vas faire comment? Tu prends le courage. Tu ouvres ton téléphone comme ça, là. Tu pars dans le site d'immigration. Tu write up quelqu'un pour qu'on le rapatrie au Cameroun, Seigneur. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi en faisant ça? Quelles que soient les raisons. Faire qu'on arrête quelqu'un pour le rapatrier, ce n'est pas différent de tuer la personne. Au lieu de faire qu'on rapatrie quelqu'un aux États-Unis, mieux tu tues la personne une fois, ça qui suit ça. Nous-mêmes, nous connaissons comment le pays est dur. Nous connaissons comment vivre au pays, ce n'est pas facile. Quelqu'un se bat, on encourage par le Boza. Mais quelqu'un a pris la route. Beaucoup meurent en route. D'autres entrent ici traumatisés. Je vous ai tout dit d'une petite fille que j'ai gardée ici chez moi qui entrait, elle était traumatisée. Traumatisée au point qu'à la fin même, elle a perdu carrément. On ne sait pas ce qui s'est passé en route, mais elle est entrée ici sérieusement touchée. Jusqu'à elle est venue, j'étais au Cameroun, elle est morte dans ma maison. Je vous ai tout parlé de cette petite fille. Quelqu'un va réussir, il va entrer. Dieu lui fait grâce, il entre aux États-Unis. Il se cherche encore. Déjà que quand tu entres aux États-Unis, sans visa, c'est déjà très grave. Parce que la loi dit quoi? Pour prétendre avoir les papiers aux États-Unis, il faut être entré légalement. Avec un visa et un 94. Quelqu'un qui est entré aux États-Unis, il n'a pas de visa, il n'a pas de 94. Oui, la Boza, malgré tout, chacun se bat ici. Hello, Moto. Oui, maman. Non, moi, j'attendais sur elle. Bon, le problème, c'est que je devais même sortir pour aller faire ça. Sorel est partie avec les clés de la voiture. Donc, j'ai essayé de l'appeler pour que si elle a laissé ça quelque part, et elle ne prend pas, c'est sûr qu'elle est en salle d'examen. Tu sais, quand ils entrent là, on leur demande de garder le téléphone ailleurs. Tu dis... Manel, moi, je n'avais le soleil, si je ne peux pas marcher pour aller là-bas. Il y a le soleil. Soit je devais aller très tôt le matin ou le soir. Elle est partie avec les clés. Donc, j'attends qu'elle revienne avec les clés.
Moi, je vais faire comment? J'attends qu'elle revienne avec les clés. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Oui, j'ai pris. On a mis ça au balcon. J'ai pris, j'ai mis dans ta chambre. Ok. Tu es en classe. Ah, j'ai oublié qu'aujourd'hui c'est vendredi, que tu étais au travail. Moi, j'ai cru que tu es parti que en classe. Ok. Bon travail alors. Ah, bisous, bye bye. Hein? Moi, personnellement, que je suis devant vous, je vais vous parler de mon histoire, mes gens. Je suis venu dans ce pays comme visiteur. Vous avez compris? Je suis venu comme visiteur. J'ai voir comme ça, là. Je me suis battu comme j'ai pu, j'ai eu mes papiers. Quand j'ai mes papiers, je dis alors que bon, je vais faire venir mes enfants aux États-Unis. Comme moi, j'étais moi dans, j'ai fait tout moi mes travaux que, tu vois, j'étais moi dans les salons de coiffure, j'avais mes salons. Tu sais, le salon, ça ne déclare pas comme quand tu vois quelque part que tu payes, tu travailles, on te donne un salaire chaque mois. Parce que quand tu travailles, on coupe les impôts avant de te donner le reste. Maintenant, le travail, parce que comme je voulais faire venir les enfants, je me suis quand même engagée à travailler parce qu'ils savaient que je devais avoir besoin de ça. J'ai travaillé, mais quand je voulais faire mes impôts, de fin d'année, je n'ai pas expliqué à celui qui devait me faire les impôts là que je vais faire venir les enfants pour qu'il sache comment il va faire mes impôts. Donc, il a plutôt fait mes impôts en déclarant que j'ai perdu pour que le gouvernement me paye. Oh, je devais déclarer que j'ai gagné pour que moi je paye le gouvernement comme ça là. J'ai suffisamment de revenus dans mes impôts pour pouvoir faire venir les enfants. Je monte tout le dossier de mes enfants. J'ai un ami, Bruno. Un bon ami à moi comme ça là. Bruno, hein. Bruno, il est aux États-Unis. On fait la réunion des Bantins ensemble. Je le vois, c'est un ami à moi. J'ai dit que non, on est bien, c'est un bon ami. Un frère, un grand frère, on est bien ensemble. Je pars vers lui, je lui dis, Bruno, voilà la situation que j'ai. Avant d'appeler Bruno, j'ai appelé plusieurs d'autres gens. Ils m'ont dit, non, Dorcas, tu sais, je suis en train de faire venir la maman. Une autre personne me dit, Dorcas, tu sais que je dis, je fais venir qui, chacun m'a donné ses raisons. Parce que c'est quand tu es dans les problèmes que tu comprends que le mien, c'est une place. Mais quand vous êtes là, vous bavardez, vous faites les choses, tu as le monde derrière toi comme ça. Le monde. Mais quand j'ai voulu faire venir mes enfants, je vous jure que j'étais coincé même pour faire un document en ligne. J'appelle quelqu'un qui dit que non, je ne peux pas l'appeler pour quelque chose, il me tombe dans, il me tourne le dos. Je l'appelle. Je dis que non, comme toi, tu connais bien écrit l'anglais là, vraiment, et tu connais bien comment les steps se passent bien sur les sites là. Est-ce que je peux venir à la maison? Comme ça, j'ouvre mon ordinateur, tu me coordonnes seulement, tu me montres que voilà. Vous connaissez ce que celui-là m'a dit? Il me dit que va. Il y a un endroit là, on appelle ça quoi? Va. Où c'est Office Depot, non? C'est pas Office Depot. Il m'a envoyé un endroit. Que va là-bas, il y a les gens là-bas qui vont t'aider. Il m'envoie, il me dit que va là-bas. Il y a les gens là-bas, ils peuvent t'aider. Je suis d'abord resté comme ça, j'étais sur le choc. J'ai dit, hein? Hein? Bonsoir, Black Beauty, comment tu vas? Je suis resté dit que, ah bon, c'est comme ça le pays ici. J'ai chop la rage. Je suis allé là-bas, là où il m'a dit là. J'ai payé l'internet d'une heure de temps. Maman, le temps de rester à la caisse pour avoir quelqu'un pour venir m'aider. L'internet de une heure était fini, il fallait que je paye encore. J'ai alors dit que pourquoi j'ai fini le travail qu'elle va faire si je vais dépenser combien? J'ai alors dit que moi-même, je vais me battre, je vais faire. Je suis venu m'asseoir. Moi-même. Sans l'aide de quelqu'un, j'ai monté moi-même les dossiers de mes enfants. J'ai dit que j'ai fait. Maintenant, j'ai envoyé les dossiers des enfants.
On a approuvé. C'est arrivé au niveau maintenant qu'on a dit que je dois envoyer la fille de vite au support. Parce que le dossier était déjà au niveau de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Il fallait que j'envoie la fille de vite au support pour qu'on donne le visa aux enfants. Donc, il faut encore monter parce que tu montes d'abord le premier dossier à USCIA. CIA accepte. Maintenant, après USCIA accepte, et il y a maintenant un autre département, on appelle ça quoi, comme ça fait longtemps là. Et tu envoies encore le dossier là-bas. Salon là-bas. Ceux-là aussi approuvent. Après maintenant, tu envoies maintenant à National Visa Center, quelque chose comme ça. Mes soeurs, mes frères, mes filles. Je pars, j'appelle cet ami-là. J'appelle cet ami-là. Le moment-là, il était à Prieview. C'est une ville peut-être à une heure de temps de là où je suis. J'ai conduit. Je suis allé à Prieview. Il m'a amené dans une salle de l'université. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Je vais faire ça, machin. On a fait ça sur le computer. Tout. Comme il faisait venir sa femme. Il a alors dit que, ok, je vais donner la fille de vie au support pour tes enfants. Toi aussi, tu vas donner la fille de vie au support pour mes enfants parce que ton income que tu as fait là, tu peux soutenir ma femme avec. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, on s'est switch. Il a donné la fille de vie au support pour mes enfants. J'ai fait la fille de vie au support pour sa femme. On a approuvé pour sa femme. Le gars est parti par derrière appeler l'immigration. Et enlever son nom sur la fille de vie au support de mes enfants. Écoutez bien ce que je vous dis. Il est vivant, il est ici, il s'appelle Bruno. Il s'appelle Bruno. Il est à Houston. On le connaît, tout Houston le connaît. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand je vous dis que l'homme camerounais est d'une méchanceté. Une méchanceté, quelqu'un que je suis parti au Cameroun. La nourriture que j'ai ramenée du Cameroun, j'ai coupé une partie, j'ai envoyé sa part en Californie. Je l'ai envoyé une partie en Californie. Je monte le dossier de sa femme avec toutes mes informations. On approuve sa femme. On n'a pas encore approuvé mes enfants. Ils passent par derrière. Non, on avait approuvé sa femme et on a approuvé aussi mes enfants. Il passe par derrière, il appelle l'immigration, il dit à l'immigration qu'il va enlever son nom sur la fille de vie au support de mes enfants. Il ne me dit pas. Je suis là, je cause avec lui tous les jours. On cause tous les jours. On s'appelle au téléphone, on cause. Comme il y a la solitude aux États-Unis, parfois il est au travail, il va m'appeler là, on va bavader. Le bon monsieur ne me dit pas qu'il a appelé l'immigration contre mes enfants. Il ne me dit pas. Moi, je ne suis pas en train de dire. C'est mon histoire que je vous raconte. Mon histoire. Mes enfants, maintenant, quittent. Ils vont au Cameroun. Non, mes enfants, maintenant, le jour de leur rendez-vous, je prends dans le rendez-vous, on programme les examens médicaux. Mes enfants partent faire les examens médicaux. Le jour du rendez-vous à l'ambassade, maman, les enfants se présentent à l'ambassade. C'est là où on les dit à l'ambassade que la fille de vie au support avait été retirée et que je dois fournir un nouveau à fille de vie au support. Mes enfants ont pleuré. Mes enfants ont pleuré comme ils n'ont jamais pleuré à l'immigration. C'était la deuxième fois comme ça qu'ils partaient, on les renvoyait. Quand les enfants sortent de là avec mon mari m'appelle. Il filme le papier qu'on les a donné, les raisons pour lesquelles on ne les a pas donné le visa. Il m'envoie. Merde. Je vous dis que je suis devenue folle. Je suis devenue folle ici à Houston. J'ai dit que je marchais, je parlais seule en route. J'ai failli me déshabiller. J'ai failli péter un câble.
J'ai failli péter un câble. Je suis restée comme ça là. J'ai réfléchi ce que je devais faire au gars là, à la dimension de ce qu'il a fait à mes enfants. Mais malheureusement, ce gars était en Californie. Il n'était plus à Houston, il était quitté, il est parti en Californie. J'ai dit à ce gars que si tu es garçon, que tu dis que tu es un homme, viens à Houston, tu me dis que je suis ici à ce niveau. Je suis à tel endroit. Je lui ai lancé ce défi-là. J'ai dit que tu me vois là, je suis une femme homme. J'ai dit que si tu es garçon, tu as pris ma nourriture, tu as mangé. Je t'ai rendu les services, une amitié de près des années et des années et des années. Tu oses faire ça à mes enfants. Je lui ai demandé que Bruno, je t'ai fait quoi? J'ai appelé les Camerounais que demandez-lui ce que je lui ai fait. J'ai appelé les Camerounais que demandez-lui que je lui ai fait quoi? Il a commencé à dire aux gens que... Il m'a présenté son petit frère pour venir faire le forage chez moi après où j'ai manqué le respect à son petit frère. J'ai donné, son petit frère a pris un contrat chez moi des millions. Ma concession de Douala pour me faire le contrat. J'ai versé son argent. Il a disparu pendant un mois, je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Et je lui ai appelé qu'il essaie de parler à son petit frère. Qu'il m'a appelé l'argent qu'il vient faire. Il dit que son petit frère, c'est comme ça qu'il est, que quand il prend l'argent. Il dit que, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Il dit que, à me donner, est-ce que quand tu lui donnais l'argent, tu m'avais encore dit? J'ai dit que, mais c'est toi qui m'as présenté à ton frère. Je devais encore dire qu'avant de lui donner l'argent, je vais encore te demander que je lui donne l'argent. J'ai donc commencé à envoyer les messages de menace au gars. Que je vais chercher la gendarmerie pour le prendre s'il ne fait pas mon travail. À lui-même, on n'avait jamais eu de contentieux, rien. Après ça, on a continué à bien parler. Je suis même allé au Cameroun, j'ai même vu le forage. Un fiasco même que le forage, parce qu'après ça même, j'ai même encore dépensé l'argent pour refaire ce forage. J'ai dépensé encore l'argent pour faire ce forage. Voilà la raison qu'il donne. J'ai dit que mon frère, il n'y a pas de raison de détruire la vie des enfants. Mes enfants ne t'ont rien fait. Pourquoi ne pas m'appeler, me dire que Dorcas, je ne veux plus être affilée vite au support de tes enfants. Comme ça, moi-même, on retire ça de commun accord. J'ai le temps de trouver quelqu'un d'autre pour remplacer. Même s'il fallait payer, je payais. J'ai le temps de trouver quelqu'un d'autre pour remplacer. Non seulement ça, je ne sais pas ce qu'il a raconté à l'immigration là-bas. Il a enlevé. Et Seigneur, viens voir mes enfants à l'ambassade. Viens voir mes enfants à l'ambassade. J'ai eu pitié de mes enfants. Si elle vous dit que je n'ai pas eu pitié de mes enfants, je vous mens. J'ai eu pitié de mes enfants. J'ai pleuré comme ça les larmes de ma tête. J'ai maigri, je vous dis que même Wengre, même pour être, j'étais dépassé. J'ai dit que j'ai cherché le gars là comme on cherche la torche. Je l'ai cherché. Je voulais en découdre avec lui. Jusqu'aujourd'hui, que vous parlez, c'est vous dire que j'ai un jour vu encore ce gars. Il vient à lui, il se cache comme un rat. Il se cache. J'ai dit que je ne l'ai plus jamais vu. Il se cache comme un rat. Parce que je l'avais promis. C'est seulement que quand le temps passe, tu laisses. Les gens le m'ont dit que je le laisse. Il a fait du mal à mes enfants. Sa femme que j'avais fait la fille de Victor Support, elle n'est pas entrée aux États-Unis. Elle est morte au Cameroun. Elle n'est pas entrée aux États-Unis. C'est moi qui donne la fille de Victor Support de sa femme. On l'approuve. Elle vient aux États-Unis. Pour qu'elle vienne aux États-Unis. Cette dame n'a pas eu le temps d'entrer dans ce pays. Quand tu entends que, où il avait dit que quoi, la femme, il avait envoyé, comme il voulait que la femme soit un mouton derrière lui.
La femme était une femme aussi quand même, que non. Quand tu lui dis quelque chose, elle veut savoir pourquoi. La femme ne le suivait vraiment pas comme le mouton. Il est parti à l'immigration, il a enlevé les papiers de la femme. La femme est calée au Cameroun jusqu'à la pauvre dame est morte au Cameroun. Quand vous, je vous dis que l'homme camerounais est méchant. Quand vous voyez un homme de plus de 50 ans qui n'est pas marié, qui traîne comme un mauvais esprit, évitez-le au maximum. S'il n'est pas divorcé, s'il n'est pas veuf, s'il n'a jamais été marié jusqu'à 50 ans, c'est une peste. Évitez-le. Un vrai homme à 50 ans est marié depuis des années, il a des grands enfants. Celui qui vadrouille comme un mauvais esprit jusqu'à 50 ans, il n'a jamais été marié. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme là-bas. Vous allez courir parce que oui, les filles, parce que vous voulez le marier, vous allez partir porter la merde. Ce n'est pas un homme. Je suis dans les pleurs, je pleure à mon petit frère. Je pleure à mon petit frère parce que mon petit, je n'avais pas parlé de ça à mon petit frère, pourquoi? Parce que mon petit frère venait de se marier et il avait appliqué pour sa femme. Il fallait que sa femme ait la green card. Je ne voulais pas empiéter dans les papiers de sa femme et tout ça. Je ne voulais pas empiéter. Je voulais que mon petit frère se concentre. Il sort les papiers de sa femme. Je ne voulais pas que mes enfants empiètent. Quand je pleure, alors je pleure. Mon petit frère n'était même pas au courant que c'est lui qui avait fait la fille de Victor Sopo. Il se disait que c'était moi-même. Quand je pleure, elle n'est pas tombée devant mon petit frère. Mon petit frère, il voit mes larmes partout. Il dit que, mais Dorcas, c'est quoi comme ça? Le moment-là, mon petit frère était en Californie, non. Après la Californie, on l'a affecté en Floride. Il était en Floride. Oui, je crois, il était en Floride. C'est là où je l'appelle, je suis en larmes. Il me dit que Dorcas, c'est quoi? Je commence à l'expliquer, il dit, merde. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je lui ai dit que, je savais que comme tu es sur le dossier de ta femme, je ne voulais pas empiéter. Il me dit non, donc j'ai fait suffisamment d'argent pour faire venir même si c'est 7 personnes. Il me dit, je t'envoie les documents demain. Je vous jure, aussi vrai que Dieu au ciel. Pas les sales documents que le gars là m'avait envoyé avec eux, où c'était combien, les miettes qui travaillaient là. Mon petit frère m'a donné les documents. Quand moi-même j'ai vu ce que mon petit frère faisait aux États-Unis, je suis calé comme il dit, hein? Le lendemain, mon petit frère a commencé, il a emballé tous les documents, il est parti voir sa société lui a écrit la lettre qu'il travaille là-bas et tout, il a tout mis, il m'a envoyé ça express à Houston. Vous avez compris? Dès qu'il m'a envoyé ça, express. Non, il m'a envoyé ça, les originaux express, et il m'a aussi forward ça sur mon email. Donc, quand il a forward ça sur mon email, j'ai su directement aller entrer dans le site de l'immigration. J'ai envoyé tout ça à l'immigration. Là, l'immigration a approuvé. Quand l'immigration approuve comme ça, là, je prends mon vol direction Cameroun. J'ai dit que moi-même, je pars là-bas voir la situation de mes enfants. Où je suis citoyenne américaine, où je ne suis pas citoyenne américaine. Avant que je dise que je m'apprête pour partir, il m'envoie le message que on doit faire. Bon, non, quand les enfants étaient partis à l'immigration là, dans la lettre qu'ils avaient donnée, ils avaient demandé que je dois fournir un nouveau affidavit au support et je dois aussi donner. Je dois aussi faire le test de ADN. Ils ont request le test de ADN. Et ils ont donné les sociétés ici aux États-Unis, les seules sociétés qu'ils font avec eux. Je suis allé là-bas, dans la société, là, ils m'ont prélevé. Ils ont envoyé tout le equipment à l'ambassade du Cameroun. Mes enfants sont allés à l'ambassade du Cameroun. On les a prélevés. On a mis dans tous les trucs qu'ils avaient envoyés. On a envoyé express dans leur société. Quand on a envoyé express dans les sociétés, ils ont fait. Ça n'a même pas duré. Ils m'ont envoyé une copie dans mon email. Le résultat, c'était mes enfants, c'était positif. J'ai pris mon vol direction Cameroun. Avec les originaux des documents. Moi-même, j'ai request un nouveau rendez-vous. Je suis allé dans les sites, j'ai demandé un nouveau rendez-vous.
ils m'ont donné un nouveau rendez-vous. Et un nouveau rendez-vous très proche parce qu'ils ont vu comment, mais comment les mêmes enfants, le problème après problème. Et même ils savent qu'il y a les gens méchants. Tu comprends? Et à cause de ce qu'il a fait, on a cru que ce n'était pas mes enfants, que c'était les enfants de quelqu'un d'autre qui faisait venir. C'est pourquoi ils ont exigé le test de ADN. Parce que j'avais fourni toutes les photos quand j'étais enceinte avec eux, quand je les allais, tout ça. Quand ils ont toutes les photos là, ils ne dérangent plus sur le test de ADN. Mais parce qu'il y avait déjà un litige que quelqu'un a appelé et je ne sais pas ce qu'il avait dit, on a exigé le test d'ADN. Je me suis retrouvée en train de dépenser sérieusement d'argent pour faire ce test d'ADN là, pour mes enfants. J'ai pris le vol, je suis allé au Cameroun. Moi-même, je suis allé. Moi-même, citizen of United States. J'ai dit que tu es trop petit. Je ne suis pas green card holder. Je suis citizen. Et c'est mes enfants biologiques qui vont entrer dans ce pays. Ils vont entrer dans ce pays. J'ai juré, je lui ai dit que je vais te montrer que je suis une femme. Depuis que tu es arrivé aux États-Unis, même faire venir même un de tes neveux, même arrière-petit-fils, il n'a pas pu. Même arrière-petit-fils. Piètre vie, tu entends quelqu'un plus de 25 ans aux États-Unis. Même maison que appartement, qui va dire que c'est son appartement. Non, il squatte chez les gens. Tu vois, les méchants là ont des piètres vie. Moi, je vous dis, les gens qui écrivent à l'immigration, c'est ceux qui ont raté leur vie. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui a réussi aux États-Unis. Il a le temps de s'asseoir et d'écrire sur quelqu'un. C'est quelqu'un que quand il voit qu'il est venu, il a les papiers, mais sa vie est piètre. Et il voit maintenant une personne qui est venue après lui, mais sa vie est bien jusqu'à. Ça le rote. Il commence à croire que tu es la raison de ses problèmes. Il part donc pour te reporter. Il part pour te reporter. Il part pour te détruire. Tu crois que moi aujourd'hui comme ça là, moi je ne suis pas milliardaire, mais il veut dire que j'ai réussi aux États-Unis. La réussite c'est quoi? Quand tu finis tes dossiers d'immigration, tu deviens citoyen, tu fais venir ta famille. C'est mon mari qui refuse, qu'il ne peut pas vivre aux États-Unis. Il a mis l'homme dehors. Mon mari a mis l'homme dehors, il est fatigué du pays des gens. Il se sent à l'aise chez lui au pays. Hein? Il se sent à l'aise. Et moi-même ça m'arrange parce que je suis fatigué d'être ici. Plus de 20 ans que je suis dehors, je suis fatiguée. À un moment donné, je veux rentrer. Je veux rentrer mes paniers au Cameroun. Les enfants n'ont qu'à rester ici, partent à l'école. Je ne peux pas dire, je ne veux pas dire que j'ai réussi. J'ai reçu ma part d'aventure. Je ne suis pas rentrée avec les milliards, mais au moins, les enfants sont là, ils vont à l'école. J'ai ma petite vie là, tranquille. La réussite, ce n'est pas les milliards. Les gens croient souvent que la réussite, c'est les milliards. Non! La réussite, ce n'est pas les milliards. Si tu as ta petite stabilité là, que tu es stable, franchement, c'est l'idéal. Ce n'est pas les milliards qui font le bonheur, non. Ta petite vie stable là, que tu as en famille là, vous pouvez faire le riz sauté comme ça, vous mangez en famille, le mari est là, les enfants sont là, vous mangez, vous voyez un bon film, vous riez. C'est l'idéal pour moi. Voilà ce qui m'est arrivé. C'est comme ça qu'elle descend au pays maintenant. Je me bats avec mes... Je me bats, je demande un autre fidèle, un autre rendez-vous et tout, quand mes enfants partent là-bas. Quand mes enfants partent, c'est comme ça que on donne le visa à mes enfants. Je vois la joie sur le visage de mes enfants. Il m'avait traumatisé les enfants. Il m'a traumatisé. Les enfants ont cru que maman noire. Ils ont commencé à parler de malchance. Que maman, pourquoi on a la malchance comme ça là? J'ai dit que non, c'est pas la malchance. C'est le cours de la vie. C'est la méchanceté des êtres humains. Ce n'est pas la malchance. Vous allez venir. Tant que moi, je suis citoyenne américaine. Même si je meurs, qu'on ne vous a pas encore donné le visa. Vous partez claim. On va vous donner le visa parce que votre maman était citoyenne américaine. Vous allez claim ça. Et ils vont vous donner ce visa là. Surtout que j'avais déjà fait le test d'ADN qui prouvait que vous êtes mes enfants. Vous êtes dans le système, mes enfants étaient dans le système depuis plus de 15 ans. Mes enfants étaient dans le système quand je prenais le visa depuis l'ambassade de Malabo. Quand j'ai pris le visa à l'ambassade de Malabo, mes enfants, je les ai mis dans le système que voilà mes enfants. Quand mon fils est mort, j'ai écrit à l'ambassade, je leur ai dit que parce que les trois enfants étaient en cours pour venir aux États-Unis.
J'ai dit que mon fils est mort. C'était même une erreur que j'avais faite. Si je savais, je devais... Je prenais notre enfant, je remplaçais avec mon fils. Mais je n'ai pas su. Je n'ai pas su. J'ai regretté après. J'ai beaucoup regretté. C'est que un autre enfant pouvait bénéficier de ces cas. Oui. Un autre enfant pouvait bénéficier bien de ces cas. Mais je n'avais pas, je ne sais pas, j'avais la douleur. Et puis quand je partais avec les enfants pour aller les prendre le visa, mon fils là venait de mourir. Donc j'avais seulement un seul objectif, faire fuir mes enfants du Cameroun. Pour moi, ce n'était pas, je voulais faire fuir mes enfants. Donc quand le gars là m'a fait ça, il connaissait mon histoire, il savait comment on a tué mon enfant au Cameroun. Il dit que donc le gars c'est fier. Il est fier comme on a tué mon enfant. Non, le fait qu'on a tué mon enfant, il voit comment je me bats pour fuir avec les autres. C'est lui qui... C'est pourquoi j'ai son mal. J'ai son macabo. Parce que pour moi, je me dis qu'il a voulu qu'on fasse du mal à mes enfants au Cameroun. Sachant mon histoire, il devait m'aider à me battre pour que les enfants la quittent au Cameroun. Oui. Mais tout au contraire, il a contribué pour que mes enfants caillent au Cameroun. Pendant que moi, j'ai fait, on a approuvé les documents de sa femme pour qu'il vienne ici. Elle vient ici là. Il tourne pas derrière. Il peut appeler l'immigration pour gâter pour mes enfants. J'ai compris que les Camerounais sont méchants. Il y a une Camerounaise qui a écrit à l'immigration sur deux beaux ailleurs pour qu'on les rapatrie. Deux beaux ailleurs. On est venu les prendre. Ça m'a rappelé mon histoire. J'ai eu mal. J'ai les photos de la fille ici, mais je ne veux pas me présenter les photos parce que je n'ai pas toutes les preuves. J'ai ces photos ici. Ces photos sont en train de circuler dans tous les inbox. Une fille comme ça peut donner le poison à quelqu'un de manger. Si tu es capable de faire ce genre de mal, tu peux donner le poison. Tu peux prendre le poison comme ça. Tu donnes à quelqu'un comme ça, la personne boit. Tu es capable. Boza qui entre aux États-Unis, il a le statut de Boza, mais c'est l'étoile de sa famille. C'est l'étoile de toute une famille. On dit qu'on les a rapatriés. Qu'on les a arrêtés, on les a rapatriés. L'étoile de toute une famille. Moi, je voyais la petite qui habitait ici chez moi. De temps en temps, quand même, elle me donnait les 50 euros que maman Dorcas, pardon, envoie à ma famille. J'envoyais à sa maman. Parfois, le jour qu'elle peut même 100 dollars, elle me dit que maman Dorcas envoie à ma mère. J'envoie à sa mère. C'est pourquoi quand je commence à la chercher sans succès, je pars sur les envois qu'elle faisait. C'est là où je trouve le numéro. J'appelle sa maman au Cameroun. Que mais j'appelle ta fille depuis, je n'ai pas de nouvelles. Est-ce qu'elle vous a appelé? Sa maman aussi me dit non. On n'a eu aucune nouvelle d'elle. Vous voyez? Hein? Vous voyez? Quand vous voyez quelqu'un qui l'a bossé, il est dehors comme ça, c'est que c'était chaud dans sa famille. Chacun a son histoire. Peut-être il est resté comme ça là. Il a vu comment. Moi, mon histoire, c'est que quoi? Moi, j'ai vu mon grand frère, notre aîné, le deuxième né de ma maman, mourir par manque de soins à la Quintini. Mourir. On a laissé mon grand frère mourir. On ne le traitait pas à la Quintini parce qu'il n'y avait pas l'argent pour le traiter. On avait mis mon grand frère à peine le sol. Il était couché au sol. J'étais encore très petit. Je devais avoir dans les 16 ans comme ça là. On m'a dit que mon grand frère est malade. Je suis parti de Yaoundé parce que j'ai vivé chez ma tante. Je suis parti de Yaoundé. Je suis venu à Douala pour voir mon frère et essayer de voir comment je vais aider ma maman. Parce que ma maman était entre l'hôpital, la maison, entre l'hôpital. Donc j'ai dit que si elle vient comme ça, peut-être moi, maman peut être à l'hôpital. Moi, je ne peux pas même les petits nourritures. Je ne peux pas lui donner à l'hôpital. C'est comme ça que je descends à Douala. Je viens trouver mon grand frère qui était couché au sol. Parce que quand tu n'avais pas l'argent, on te mettait au sol.
Mon grand frère est mort au sol à la cantine. Ça m'a traumatisé. À l'époque, là, il y avait qui chez nous qui avait personne. Ma grand sœur était dans son mariage, ça ne donnait pas. Ce n'est pas comme maintenant qu'elle a réussi avec son mari. Ils ont leurs gros moyens. Mon grand frère lui-même, à l'époque, il faisait quoi? Il était encore à l'école. Il faisait les cours de répétition par-ci par-là. Il faisait les répétitions par-ci par-là. À l'époque, on leur donnait combien? Elle avait 5 000 au mois. Les répétitions, faisaient les répétitions, les noms, c'était les 5 000 au mois, c'était les 10 000 au mois, comme s'il avait quoi. Donc on a vu notre frère, mon père n'avait rien. C'est après la mort de mon grand frère que mon père a commencé à détériorer, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à mon papa est mort. J'ai vu mon grand frère au sol. Par manque de soins, on l'a laissé mourir. C'est là où je suis resté comme ça, j'ai regardé comme ça, j'ai dit que ouais. Donc dans toute la famille, c'est comme ça. Il n'y a personne que s'il y a un problème d'un million, pour sauver la vie de quelqu'un, la personne peut sortir. J'ai décidé de me battre dans la vie. J'ai décidé de refaire l'histoire de ma famille. Et comme moi, chacun a son histoire. D'autres, tu vas voir qu'il a tellement miséré, il a tellement vu sa maman souffrir pour eux. À cause de sa maman, il a dit que au lieu de rester là, voir sa maman souffrir, mieux il prend la route du Boza. Il va tenter sa chance pour venir changer la vie de sa famille. Et il arrive en Ben comme ça là. Il arrive en Ben. Tu le vois là, il te dit qu'il est Bozaïen. Il n'a rien. Mais c'est l'étoile de toute une famille. Toute une famille dépend que de lui parce que chaque fin du mois, peut-être il envoie 50 euros. C'est ça qui aide toute cette famille-là. Si tu le touches là, tu as détruit la vie de toute une famille. Donc sachez, vous qui partez toujours écrire contre les gens pour qu'on les rapatrie, sachez que quand vous faites du mal à une personne qui est sans papier, c'est toute une famille que vous avez fait du mal. Parce que derrière lui, c'est une longue corde. Derrière lui, c'est une longue corde, la maman, le papa et les petits frères. Et peut-être les grands frères même dedans. C'est lui que si quelqu'un tombe gravement malade, c'est vrai que lui qui peut sauver la vie de la personne. Retenez ça très bien. Retenez ça très bien. Avant de vous lever, faire du mal aux gens. Sachez que quand vous faites du mal aux gens, vous faites à toute une famille. Vous enlevez la nourriture sur la table de toute une famille. Il est peut-être sans papier, mais c'est lui l'aide de toute sa famille. C'est lui l'aide que si sa maman tombe malade, elle sait que si elle peut boire un médicament. C'est lui-là. C'est lui-là que la maman peut marcher aussi, elle a un peu le sourire aux lèvres, on dit que oh, son fils aussi en bain, elle rit un peu là. Sachez que quand vous touchez à cet enfant-là, vous touchez à une maman quelque part. C'est sûr que c'est les affaires de peut-être de barrer là. Peut-être c'est le gars et son ami. Peut-être tu vas voir comme ça que c'est le gars et son ami ou c'est les deux frères. Bon, elle a le contentieux avec une personne, elle sacrifie les deux. Les Noirs américains font ça ici là aux Africains. Tu maries un Noir américain, vous vous arrangez que bon, voilà. Après, elle part par derrière, elle part dit que non, tu l'as seulement bayam. Elle te met dans l'ondem, on te rapatrie. Les Noirs américains font ça, ça se comprend. Mais entre nous, les Africains, merci Pristina pour l'étoile, merci ma chérie, merci. Merci Pristine Noche. Merci maman. Hein? Si même si tu as n'importe quel problème, si tu avais le gars après, parce que quand vous regardez comme ça, c'est sûr qu'elle était avec le gars. Et après le gars a dit qu'il ne veut pas lui. Le gars a dit que peut-être le gars est parti voir ailleurs. Ça la hot. Elle est donc partie maintenant. Right up. Tu as porté ta malédiction, ma petite soeur. Tu as porté ta malédiction. Faire rapatrier quelqu'un n'est pas différent de tuer la personne. Parce que tu as tué deux familles. Tu as fait quoi? Retiens bien ce que je te dis. Tu as tué deux familles.
Chaque fois que quelqu'un va tomber malade dans la famille de l'un de ses, il ne pourra pas se faire traiter. Il faut savoir que c'est à cause de toi. Parce que c'est dans son sans-papier là qu'il faisait ses petits-petits boulots. Il faisait ses petits-petits boulots et il arrivait à aider. Il arrivait à aider sa famille. Quand tu viens maintenant, tu fais ça. Mets dans ta tête que chaque fois que l'un d'eux va se coucher à l'hôpital, il sera malade. Il va mourir par manque de soins. Tu es responsable. Tu porteras ça dans ta conscience. Mets dans ta tête que tu n'as pas fait du mal à une seule personne. Tu as fait du mal à toute une famille. Tu as fait du mal à toute une famille. Tu as brisé le rêve de toute une famille. Peut-être le gars l'avait promis à sa maman que maman, je vais me battre, je vais t'acheter un petit terrain quelque part et je vais te construire une petite maison à cause de toi. À cause de toi, ce rêve est dans l'eau. La maman là va recommencer à misérer. Et chaque fois qu'elle va misérer, ce qui est sûr, c'est que son fils va lui dire ce qui s'est passé. Chaque fois qu'elle va misérer, elle va cogner la pied au sol avec ton nom. Elle n'est peut-être pas parentée avec toi, mais tu lui as fait du mal. À cause du mal que tu lui as fait, tu répondras. Tu ne réponds pas, tes enfants vont répondre. Tu ne réponds pas, les enfants de tes enfants vont répondre. Elle va cogner le caillou au sol tous les jours en prononçant ton nom. Le jour qu'elle n'aura pas le sac de riz, peut-être quand son fils était ici là, chaque mois elle avait son sac de riz à la maison, que même si c'était fort, elle sautait mange. Elle ne connaissait plus la famine parce que son fils avait beau, il a fini par entrer aux États-Unis. Tu as décidé que comme c'est toi qui l'as amené aux États-Unis, comme ce sont ses pieds qu'il a marché lui-même, il a marché, traversé le Panama, traversé le Pérou, traversé le Mexique, tous les pays là, traversé le cartel. En route, les armes, les braquages, fait tout genre de sale boulot, juste pour s'en sortir dans la vie. Dieu lui fait grâce. Il arrive à la frontière du Mexique. Il bosa. Je ne sais pas si c'est par la Floride qu'il est passé ou c'est par le Texas. Parce que voilà les endroits là où les bosailleurs arment. Soit par le Texas, soit par la Floride là-bas. Il mouille le maillot comme ça là. Il traverse tout le désert de la Floride. Il mouille le maillot, il traverse tout le Texas avec un pays aussi que c'est pas les gens qui aiment trop les gens de notre teint, hein, il faut le dire. Donc il chutame les gens là-bas comme la blague. Il réussit. Je ne sais pas si c'est par Laredo qu'il est passé pour entrer. Il souffre, il souffre, il souffre, il souffre. Il entre aux États-Unis, tu décides que tu vas boler avec lui. Parce que vous êtes sur un dossier de Mougouli, il a dit qu'il ne te mougou pas, il ne veut plus. Donc il était, son boza là, quand il bozaillait là, c'est à cause de toi. Pourquoi avant lui tu n'étais pas marié? Pourquoi avant lui tu n'as pas trouvé un homme qui pouvait t'assumer? Tu vois l'enfant détruit parce que c'est un bosaïen, n'a pas les kaolo. Tu veux venir prendre avantage sur lui. Tu veux venir l'intimider parce que tu n'as pas les papiers. Parce que tu veux donner les papiers à quelqu'un, il doit être ton esclave à la maison. Parce que c'est ce que vous faites. Vous les femmes là qui donnez les papiers aux hommes, vous faites ça. Parce que tu donnes les papiers à quelqu'un, la personne doit être ton esclave à la maison. Il ne doit plus tousser. Dès qu'il tousse comme ça là, tu le menaces. Tu le menaces, il doit être ton esclave parce que tu lui donnes les papiers. Il doit dans son bosa là sans papier faire tous les sales boulots, couvrir toutes les factures. Parce que tu lui donnes les papiers. Mettez dans vos têtes que quand un homme n'a pas les papiers, tu le maries que tu vas lui donner les papiers, tu le tortures. Le gars supporte parce que il est en position de faiblesse. Quand il sera en position de force, il va te rappeler tout ça. Il va te rappeler ça de la manière la plus pire. De la manière la plus pire. C'est mieux parfois que... C'est mieux. Si tu sais que tu ne veux pas toi la relation, dis-lui que business. Vous asseyez.
Vous vous asseyez et vous vous arrangez que peut-être tu dis que tu me donnes comme ça là. Vous vous arrangez. Si tu vois que ça ne peut pas marcher pour que mari et femme, mieux tu lui dis que vous signez le contrat que voilà, je préfère moi que ce soit comme ça là. Je préfère que ce soit comme ça. Et quand c'est comme ça là, chacun est d'accord. Mais si tu viens, tu lui dis que non, je suis avec toi et il dépense son argent. Tu le manques le respect tout le temps. Tu ajoutes sur ça, tu ajoutes sur ça, tu ajoutes sur ça. Le jour qu'il va partir, ce serait d'une manière très fracassante. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que les affaires que tu maries quelqu'un pour les calais, c'est la loterie, c'est la chance. D'autres marchent, d'autres ne marchent pas. Quand tu veux donner les cas à quelqu'un, hein, si tu vois la tendance, dis-lui, bête à quel, mon frère, on s'entend. Hein? Tu me dis quelque chose. Comme ça, le jour qui go, tu sais que tu as chopé ta part. Oui, tu sais que tu as chopé. Au lieu que tu dis que non, voilà, 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 après viens t'indem. Et tu commences à faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Tu portes ta malchance derrière. Parce que je connais beaucoup, j'ai les copines ici là, que les gars sont là-bas en Benga, en Europe là-bas. La France, Belgique, l'Allemagne. Ils sont sur Internet, ils cherchent les filles aux États-Unis. Ils vendent le rêve aux filles. Ils disent aux filles que non, je t'aime, machin, je vais être avec toi, je vais te marier, machin, machin. La fille tombe sous le charme. Elle se déplace ici, elle part en bain. Elle part marier, le gars, il vient monter les papiers, le gars vient ici. Dès que le gars arrive ici, là, le gars, ses papiers, il vanish. On connaît des cas comme ça. C'est pourquoi maintenant aux États-Unis, les filles, on dit que plus jamais ça. Plus jamais. Les gars qui draguent les filles dans les inbox là, matin, midi, soir, pour que les gars les amènent aux États-Unis, les gars sont devenus très sages. Très sages. Elle préfère trouver sa part de gars ici là. C'est d'aller porter quelqu'un. Elle préfère trouver sa part de gars ici là. Le jour que ça finit, chacun prend sa route. Parce que ça fait mal quand même. Quand tu peux prendre quelqu'un, tu l'amènes. Ou quelqu'un vient, il a beau, tu vois qu'il n'a pas les papiers, tu dis que non, je vais t'aider, donner les papiers, tu le maries, tu donnes les papiers, après là, dès qu'il a une dame, tu peux te tuer. Tu peux te tuer. Mais est-ce que aller et reporter la personne à l'immigration, c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Laisse-le à la vertu de Dieu. On dit que la pierre de Dieu n'écrase pas. Non, elle écrase. La pierre de Dieu écrase. J'ai vu ça sur la mort de mon fils. J'ai vu ça sur la mort de mon fils. La pierre de Dieu écrase quand tu as raison. Quand tu as raison, tu te mets à genoux, tu pleures devant Dieu. Tu dis que Seigneur, regarde. Dieu fait comme s'il ne voit pas, mais il voit et il agit. Et quand il va agir, toi-même, tu vas voir. Le gars là, quand il va partir, il va aller porter une autre femme. Il va aller porter une autre femme que quand la femme là va finir avec lui. Quand la femme là va finir avec lui, il n'aura que ses yeux pour pleurer. Moi, j'ai ma meilleure amie ici là, une de mes amies ici là à Houston. Elle est nigérienne. On a même vécu ensemble longtemps. Elle est venue après 22 ans de mariage avec son mari au Cameroun. Le mari est camerounais, c'était un Bakouré. Elle est nigérienne. Après 22 ans de mariage, ils ont décidé de venir ici là comme des missionnaires. Ils arrivent aux États-Unis. Le monsieur flatte la femme, il dit à la femme que tu sais que pour que j'ai les papiers, il faut que j'aille marier une autre femme. Faisons un divorce comme ça là. Quand je vois les papiers, je vais revenir te marier. La femme a refusé. Il a appelé d'autres pasteurs de venir convaincre la femme. La femme a accepté. Le même jour que la femme signe le papier de divorce, le lendemain, elle n'est pas au travail, quand elle revient, elle trouve que le gars a paqué ses choses et a laissé sa part. Elle lui demande que, mes chéris, c'est comment? Elle dit que, mais nous sommes divorcés, non? Est-ce qu'on doit encore vivre dans la même maison? La femme est devenue folle. Si la femme là n'est pas morte, ils étaient en Floride. Je lui ai dit que reviens ici là, Houston, tu vas mourir là-bas seul. Le gars est parti, l'a abandonné dans la maison. Elle a trouvé quelqu'un qu'elle a payé, la personne l'a amenée ici à Houston. J'ai vécu avec cette femme-là. Sans Kaolo, la femme n'en est pas de Kaolo. J'ai vécu avec elle près de 4 ans.
J'étais son souffle douleur. Quand elle voulait pleurer, c'est sur mes épaules qu'elle pleurait. J'ai mouillé le maillot avec la femme là. On a trouvé un autre Joe. Elle a marié le Joe. On a mouillé le maillot. Le Joe là voulait la faire comme ça. On était dedans ensemble. On était dedans ensemble. Parfois, elle me réveille à 3h le matin. Elle me dit que oh, le type là lui a appelé de venir. Il a jeté ses clés. Il faut qu'elle. Maman, je démarre la voiture la nuit. J'ai soutenu la femme là. On s'est battu jusqu'à. Comme je connaissais les rouages de l'immigration, elle a même eu la green card. Le monsieur ne connaissait même pas qu'elle avait la green card. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur, si on dit au monsieur qu'est-ce qu'elle a la green card, le monsieur ne peut pas connaître alors qu'elle a la green card depuis près de 3 ans. Le monsieur n'a jamais su qu'elle a la green card, qu'elle a eu finalement la green card. C'est pour vous dire. Et son mari, qu'elle vous dit que Dieu, le, que Dieu qui est au ciel là, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tu crois que tu l'as fait du mal, tu as gagné, non. Le monsieur est parti. Il est parti marier une autre femme, à moins il laissait sa tête là-bas avant de sortir. C'est que la femme là lui a fait. Aujourd'hui, il a la troisième femme qu'il est en train de marier. Jusque-là, il n'a pas satisfaction. Il n'a jamais eu des papiers. Les papiers qu'il partait chercher là, qu'il a largué sa femme de 22 ans de mariage en plein carrefour, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui que vous parle des papiers, il a la troisième femme qui marie sans papier. Mais elle est partie, première tentative, Dieu lui a fait grâce. Elle a eu les papiers. Donc parfois dans la vie, elle pouvait aller, elle connaissait que le monsieur était marié dans le premier mariage. Elle pouvait aller écrire à l'immigration pour dire que c'est un faux mariage qu'il est en train de faire. Il fait le mariage des papiers, elle pouvait faire ça. Mais elle a laissé à Dieu. Dans la vie, il faut laisser à Dieu. Quand quelqu'un te fait du mal et il part, c'est même la bénédiction que la personne t'a donnée. La personne t'a donné la bénédiction. Il faut apprendre à laisser. Que de dire que tu vas aller faire du mal et tu te salis la main pour rien. Évitez de vous salir la main. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine de dire que tu vas aller chercher à faire du mal en écrivant à l'immigration. Si j'étais méchant, je pouvais écrire contre Foucault. Je pouvais faire ça. Les vidéos qu'elle vient essayer de faire l'argent, elle ne paye pas les impôts aux États-Unis. Je pouvais ramasser tout ça. J'envoie ça. Ici, là, pas à l'immigration. J'envoie ceci à ARS. J'envoie toutes les évidences, j'écris, je donne son nom complet. Et ils vont regarder, ils vont étudier. Les gens ont fait ceci à Longuet. Les gens ont fait ceci à Longuet. Longuet a eu la restriction des États-Unis. Ça fait combien d'années qu'il n'a plus mis pied sur les États-Unis? Les gens font ça. Mais est-ce que je veux me mêler à ça? Je ne veux pas me mêler à ça. Elle doit être responsable elle-même de son mal. Elle a insulté le cadavre de ma mère. Je n'ai jamais insulté sa mère. Moi, je l'ai clashé, mais dit que j'ai pris ma bouche pour insulter maman Anna, je n'ai jamais fait ça. Même dans mon live, je n'ai jamais permis. Je n'ai jamais permis que quelqu'un insulte sa maman dans mon live. Mais elle a insulté le cadavre de ma mère. Jusqu'à dire comment on a roulé ma mère comme la patte pour passer avec par la fenêtre du voisin avant d'entrer. Moi, je pouvais faire ça. Les gens m'ont encouragé de faire ça. J'ai dit que non, je laisse à Dieu. Je pouvais faire. Ça ne me coûte rien de faire. Je ne perds rien en faisant. Ça, on ne me demande pas 5 francs. Rien que pour le mal, je fais. Maintenant, tu es parti écrire. On a rapatrié ces gens au Cameroun. Tu gagnes quoi? Ta vie va changer aux États-Unis. Tu gagnes quoi? Tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Hein? Tu as gagné quoi en faisant ça? Tu gagnes quoi? Celui qui a rail-up sur mes enfants, il est parti reporter mes enfants à l'immigration. Ce n'est pas mes enfants ici qui sont entrés aux États-Unis. Hein? Et Dieu est en train de les bénir tous les jours. Dieu les bénit parce que je n'ai jamais moi fait le sale sur l'enfant de quelqu'un. Non, ma mère, ma Anna Clé. Je n'ai jamais cogné la tête de l'enfant de quelqu'un. Voilà, maman. Tous les enfants qui sont passés chez moi, je les ai éduqués comme une maman éduque un enfant.
Je n'ai jamais fait de discrimination entre mes enfants et les enfants qui habitent dans ma... Tous les enfants, je les prends au même pied d'égalité. Si mes enfants ont un, tout le monde doit avoir un. Ou alors personne n'a. J'ai été une maman pour tous ces enfants-là. Que ce soit de ma belle famille, que ce soit de ma famille, j'ai encadré tous les enfants au même titre d'égalité. Les mêmes opportunités. La seule différence, c'est que les enfants qui sont, d'autres enfants qui sont restés chez moi ne peuvent pas bénéficier de mes papiers parce qu'on demande maintenant le test de ADN. Ils ne peuvent pas bénéficier de mes papiers. S'ils pouvaient bénéficier, je les ramassais tous, je les amenais aux États-Unis. Mais malgré tout, qu'ils sont au Cameroun, je me suis battue que chacun se stabilise. Je me suis battue que chacun se forme, que chacun ait une formation. Il n'y a aucun enfant chez moi qui n'a pas au moins le bac. Je me suis battue que chaque enfant aille se former. Je me suis battue que chaque enfant aille se former. Que chaque enfant, j'ai mon fils à la maison, le premier, c'est un monteur audiovisuel. Il a fait quoi? Il a fait, il fait des montages audiovisuels. Le deuxième, mon deuxième fils, je vous ai dit que c'est lui qui vient de commencer le travail au ministère du tourisme. On l'a fait à Boya. Le troisième, c'est un chaudronnier. Il a fini l'école, il a eu son diplôme. Maintenant, j'ai trouvé une société là où il part se former. Il part tous les jours. On ne le paye pas, mais il part se former sur le terrain. Et je veux qu'il se forme là-bas au moins pendant 2 ans, 3 ans. Mon autre fils adoptif, que j'ai un fils que je vous ai dit que j'ai adopté. Un jeune garçon, Baham, je l'ai adopté, j'ai adopté ce garçon. Il a perdu sa maman très jeune, il n'avait pas aussi l'aide comme ça. Je l'ai adopté, il est venu vers moi, je l'ai adopté comme mon propre enfant. Mon mari connaît que c'est mon fils, c'est notre... on l'aide. C'est l'année dernière que vous disiez cela, que j'ai tenté le visa pour lui, pour le Canada 2 fois, j'ai perdu les millions sur lui. J'ai tenté le visa 2 fois pour le Canada, ça n'a pas donné. Et j'ai perdu mon argent. Maintenant, là, il m'a dit que maman, que de rester à la maison, il fait les poursuites de vacations, pour ceux de vacations, il fait les cours du soir parce qu'il est un master. Il m'a dit que maman, je veux faire les affaires. Il dit que tu veux faire quoi? Il me dit que je veux vendre les beignets. Il dit que quelqu'un a été des beignets, il me dit qu'il veut faire, il veut vendre les beignets comme celui de Chop et Yamou là. Mes enfants et moi ici, on a cotisé. On a cotisé l'argent. On l'a envoyé, il a construit son endroit bien. Quand il sera au Cameroun, ils ont fait les lives là-bas. Il n'a pas fait le genre que tu viennes t'asseoir en route. Parce que les gens veulent souvent manger. Moi-même, quand je suis au Cameroun, je veux manger le beignet haricot. Mais quand je pars partout, les gens sont à l'air libre, ils mettent un banc là, tout le monde passe, on te voit la poussière, tout ça. Mais lui, il a arrangé le genre que tu entres à l'intérieur, tu t'assois. Les gens peuvent même passer, on ne saura jamais que tu es à l'intérieur et tu manges. Tu manges. Vous avez vu, c'est un peu ça. Donc on a cotisé l'argent, on lui a donné son bétail. Le matin, il vend 15 000, le soir, il vend parfois 15 000, parfois 10 000. Vous voyez que chaque jour, le gars ne manque pas. Au moins, c'est 25 000. Good morning. Yeah. What's up? I'm here. I just come back. How was your trip? Oh, very, very difficult. Very, very difficult. Why? Yes. How difficult? So, they delayed my flight in New York, and then we sleep in the hotel over there, and then they send the baggage one by one. Oh my God! What company was that? All the food inside. I lost all the food inside. Oh my goodness! Yes. I'm so sorry. I'm so sorry about that. Because you know that they don't want they check on New York, they check my back on in New York, and then they saw the pork, the smoke pork. But the smoke, oh, that is meat. They don't like it. They don't want it. Dry fish, yes, but everything about meat, they don't want it in this country. Yeah. You have to be very careful.
Even the beef skin, they don't want it. They put that their way. Even how they call that, prune. Yes, they took away. Even the even that means the almost all your things. Yes, even the fresh peanut. The what do you say? What does fresh peanut? Don't have problem yes, with fresh peanut. I don't know why they put that away. Even garlic. You know they got it in from village. Yeah. The one is they took that away. The person was very wicked then. Oh my goodness. The person I just say okay, just that's fine. I don't see the reason why they will trash your peanut away. I don't know. I was so very sad. But I already start to clean all those, so they're gonna pay me you for. You clean me with your company? Yes. United. What company was that? United. What company? United. You took United from Africa to here? No, no. I took United from Africa. I took Brussels from Africa. Mm-hmm. But the United have that problem because, you know, I'm living in Florida. And then I took New York from New York to Florida. They check the baggage, everything. That's why they took. I traveled with Brussels, I think once, but it was great for me. I didn't have all these complaints. Yes, maybe it depend because I took three flights. Three. I live far. I live Florida is far from Africa. Mm-hmm. Mm-hmm. So I have to take a three flight because soon you arrive in New York or Atlanta. You have to take another flight to come in Florida. You know what I mean? Yes. Uh-huh, that's why. Wow. But I just say thanks God because we are alive, so we come safe. So I don't worry about the food. You know, in Florida we have all that. We have all that. So how was it in Cameroon? Everything went good. Was good. I really thank God because I did what I come over there do. Yeah. The kids, for the kids who don't have food, anything. I told you about that. Yeah. That's why when you came, you wanted us to do something about that. I remember. Yes, I bring. So you were able to visit them, right? Again. You were able to visit them before coming back. Oh, you didn't check my Facebook. No, I post one picture, so okay. Some yeah, they were so happy, you know. I'm glad for you, my friend. I'm glad yes, for them. Life is very. You put a joy in their face. That is very great. Yes. Yeah. When you have opportunities to feed somebody who don't have, it's the best thing to do. Yes. It's the best thing for you and your family. You know. Yes. Yes. To somebody to help those kind of orphan children, then, I think it's a blessing. That's yes, what I can say. It's a blessing. And then the thing will make me very happy. I like when I bring my daughter over there because here I thought that always you don't like to eat food. Some people and back home don't have. Yeah, she see the difference. She see how yes, how lucky she yes, is. Yes. Yes. And then when she saw them, she was so sad. You know, she was so. Oh my God! I can imagine. Yes. And then she was. I can so imagine. Why they how leave the she, they how old is she? Almost 10. Okay. Now she came back with a different mindset. Yes. Right? Yes. She said, "Oh, mommy, I want to be a doctor. Go back and help my people." Yes. Yes. And then she was so happy with them. She shares some clothes to them. And then you know. My God, yes. that's. I'm so happy to hear that. Yeah. I'm happy for you. I'm happy for you. Them. How long you were there? Like a month? No, I spent two months. I spent 2 months, 2 days. I wish I was there in Cameroon. I wish. I was coming back to the US. You know, I saved my PDO. Yeah. You know, I saved my PDO for two months. So
For me to spend the time over there, it don't have no problem to finance, you know. So that's why I spent 2 months over there. Oui, so where is the car key? Ok, viens, alors tu prends toi-même, tu pars faire. So, right, so, I don't want to do that. Yes, my dear. That's for me, you know. Me, uh-huh. I know where I'm coming from. So when I saw particularly the kids, so so far like that, for me it make me sad. I prefer to help people I don't know than to help the people I know in my house, mm-hmm. or in my family. Yes, I prefer to help people I don't know, the kids, the people. Yeah, because have... sometimes your family, they are the one that harm you because they are so jealous, you know. People that you don't know, they have nothing against you. Yeah. But your own family, you're trying to help them, they're trying to destroy your life. So for me, it's better for me to stay away from them. For real. I'm sorry to say that, but that is a fact, you know. Yeah. Yeah. So I have to... let me come on the point. I saw that you was talking about the Cameroonian year. Yeah. Yes. Let's talk in French so that everybody will understand us. Because okay. There's so many people that they don't English. Sorry for your followers. I'm sorry. Oui, it's okay. Je disais uh-huh. que vraiment j'ai écouté la vidéo. On m'a envoyé ça. J'ai écouté. J'étais très mal au point. J'étais hier. J'ai dit que mais comment les Camerounais peuvent pas ici, surtout aux États-Unis. Mm-hmm. Et c'est ce problème-là que j'ai avec les Camerounais ici-là. C'est pour ça que j'ai préféré moi rester seul avec moi. J'ai été dit avec ma soeur. Pourquoi les quoi? Tu vois, pourquoi un Camerounais ici aux États-Unis n'est pas comme un Camerounais là-bas en Europe? En Europe, les Camerounais, c'est que j'ai remarqué, parce qu'ils aussi fait beaucoup l'Europe. Ils uh-huh. fait même aussi l'Asie. Dans d'autres places, tu vois les Camerounais qui s'ancrent d'eux. Mais ici aux États-Unis, aux États-Unis, il y a tellement l'opportunité de travailler. Mais les gens sont jaloux, je ne comprends pas. À chacun. Mais tu ne vois pas un Camerounais, quand il connaît une information comme ça, là, il va venir dire que ma soeur, j'ai pas l'information. Il va garder ça dans son ventre, même si vous êtes dans le même lieu de service. Et moi, je ne sais pas, ça me dérange parce que moi, je n'ai pas cette opportunité, je n'ai pas ce cœur-là. Quand moi, mm-hmm. ou bien une idée, même dans les même de on appelle ça quoi là, l'immigration, mm-hmm. parce que je peux apporter mon coaching aux gens qui veulent écrire l'immigration, tout et tout, parce que je me connais un peu dedans. Je donne ma part d'idée, tu vois un peu. Right. Mais quand je vois quelqu'un qui sait qu'il a une information qui peut aider son frère, la personne ne le fait pas. Et en plus encore, j'écoute encore la femme là qui peut livrer ses frères Camerounais ou vraiment, même quel qu'en soit, les raisons pour lesquelles elle le fait, elle n'a pas vraiment ce droit de le faire. On sort du Cameroun, on vient se battre pour pouvoir aller construire, aller arranger notre pays. Mais quand tu livres comme ça, c'est pour dire que quoi? Et puis donner encore l'information clé aux gens-ci. Pour que maintenant, on va commencer à check maintenant d'autres. On va maintenant faire le double contrôle ici. Là, c'est normal. L'idée, je ne peux pas parler ça dans ton Facebook. Parce que oui, maman. Uh-huh. On écoute ça, ce n'est pas comme en Europe. Ici, là, nous sommes suivis. L'idée qu'elle a donnée là, qu'elle a dit que par rapport au le boulot, tu vois un peu. Ouais. C'est normal, gars. Je ne sais même pas si elle vit même aussi, peut-être vit au Maryland. Moi, elle dit à mon époque, je suis que la femme. Tu crois que c'est les enfants de Bobo, hein? Son père est un hôtel au Cameroun. C'est les enfants de Bobo. Est-ce qu'elle connaît que peut-être. Les enfants impolis là, que les parents ont tout donné là. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont passés par la route comme ça. Là. Ils sont ici, ils sont intégrés. Hein? Mais elle ne sait pas que peut-être l'enfant là, c'est lui qui nourrit toute sa famille, qui aide les gens au pays. Maintenant, si on le rappelle. Elle connaît que quoi? Elle est ceux qui n'ont pas fait, non? Elle ne sait pas que le Bozaï là, comme ça, là, c'est la souffrance qu'il a fait qu'il se bat pour venir. Et c'est l'aide de toute une famille. Elle dit, elle est détruite comme ça quand le bat. J'ai lâché de peau, dit que mais. Le gars, en même temps, si le gars-là rentre, on le rapatrie. Est-ce que c'est que même l'hôtel et son père en danger? Hein? Le gars, c'est que le gars va dire que bon, je n'ai plus rien à gagner. Il peut aller là-bas faire quelque chose, il peut même aller brûler. Hein? On ne sait pas. Bien sûr. Il ne se contrôle pas.
Mais pourquoi les gens sont comme ça? C'est que le Boza. Moi, j'ai cause. Il y a plein de gens qui m'appellent ici, Madokas. Moi, j'ai Boza pour entrer aux États-Unis. J'ai Boza plein. Oui. Surtout la route là, surtout la route de la du Mexique. Le Panama. Tu connais ce que c'est que traverser le Panama? Ouais. La Colombie. Oui. Qui traverse le marché mondial du départ. Mais j'avais vu. Donc, pour les comme ça, on finit avec toi. Mais j'ai suivi un reportage ça, à National Geographic. Et comment les gens font? J'ai dit que, mec, comment les gens souffrent comme ça? Donc, nous, c'est qui avons l'opportunité de vraiment que Dieu nous a donné la facilité. Mais oui. C'est pas pour autant dire qu'on doit sacrifier nos frères, même s'il y a eu n'importe quoi. Vraiment. Moi, je suis même le genre de personne que si tous les Camerounais pouvaient faire qu'ils ont les papiers, ils partagent ça à leurs frères Camerounais. Ça, même si c'est que demain, la personne te déçoit, c'est pas un problème. Ou bien elle te déçoit, c'est pas un problème. Tu fais pour Dieu, tu fais pour Dieu, tu fais pour ça. C'est le Cameroun qui gagne. On a besoin d'abord, quand les gens disent que le Camerounais, il faut un nouveau gouvernement, il faut d'abord changer la mentalité des Camerounais. Et j'ai vu ça même au Cameroun. Hein? Au Cameroun, tu donnes quelque chose à quelqu'un que veut m'acheter la boisson, ou bien la personne ne vient pas te remettre la différence. Hein? Tu vois, tu fais ça une, deux fois, tu sens que les Camerounais ont déjà une mentalité méchante, satanique. Tu as compris ma part d'histoire, ce qu'on m'a fait. Tu étais dans le live. Non, maman, est-ce qu'on est au pays là? Non, maman, je n'avais pas moins de 10 000 et 40 000 pour ça. Non, tu ne comprends pas. Tu as pris mon live sur le début où tu venais d'entrer. Je viens d'entrer, maman. Donc, tu n'as pas compris ma part d'histoire que j'ai raconté, ce que moi m'a fait ici là. Non, il va regarder ça après, maman. Ah, maman va regarder ma part. C'est ça qui m'a choqué. J'ai dit que non. J'ai dit non. Quelqu'un que je connaissais bien, c'était un grand frère. Vraiment, quand je préparais, même je l'appelais, il venait mailler sa part. Je dis que quand il joka de ce côté de la ville, qu'il voit qu'il est loin, il ne peut pas rentrer là-bas. Il vient dormir sur mes canapés ici, c'est le matin qu'il rentre. Tu vois ça? Maman, je le prends, il me dit que pour qu'il donne la fille de vite au support de mes enfants. Parce que moi, je faisais les salons de coiffure. Je ne déclarais pas tout. Donc, le fil de vie, il faut quelque chose que tu vas... Tu vois, non? Donc, mais j'avais un travail de home health que je déclarais. Et quand j'ai fait les taxes, j'ai plutôt dit que j'ai perdu. Normalement, je devais dire que j'ai gagné pour que ça booste mon truc. Hop, comme ça, je peux couvrir mes enfants. Je n'ai pas fait ça. Donc, il m'a dit alors que non, ce n'est pas un problème. Je vais t'aider. Maman, j'ai conduit jusqu'à Priovia une heure. De la ville là où il était, je pars, on fait tout dans le computer. Et il faisait aussi venir sa femme. Moi aussi, mon agent pouvait soutenir sa femme. J'ai fait aussi pour sa femme. Donc, on se switch. Maman, on approuve son enfant, sa femme. On approuve mes enfants. Il appelle l'immigration. Il dit qu'il veut retirer son nom. Comme un fils de vie, on pour mes enfants. Je cause avec lui tous les jours, il ne me dit jamais. Un Camerounais. C'est quand les enfants partent à l'ambassade, on refuse le visa à les enfants et on leur dit les raisons. Maman, j'ai failli me déshabiller ici. Hey, Seigneur, pourquoi l'homme camerounais comme ça? Pourquoi? Si on est camerounais, maman, parfois qu'elle reste, on dit qu'elle allait marcher, aller faire ceci, dénoncer, j'ai dit que, pardon, que chacun se batte pour sa vie. L'homme camerounais est méchant. L'homme camerounais est méchant. Tu as compris? Oui. Voilà tous ceux qui ont marché pour eux au Cameroun, ils sont en prison. Tu les vois là, chacun est dans sa maison en train de mourir sa femme. Ils vivent les belles. Là. Tu as vu au Cameroun, il y a un problème au Cameroun, ma soeur. Quel problème? Tu es au Cameroun. Tu as vu? Tu peux avoir pitié des gens là. Quel problème? Jamais. Il n'y a pas de problème. C'est ma fille qui me faisait rire là-bas le premier jour qu'elle arrivait. Elle dit, elle voit la poubelle. Si tu veux la best life. Ils marchent dans les bars, ils boivent les bières, la brasserie livre tous les jours. Les gens qui ont marché pour eux sont en prison. Les professeurs pour eux sont en prison. Les bébés ne sont en prison. Ils vivent leur vie comme si rien n'était. C'est le problème du professeur Foguet et Bobby Nissak, ça ne les concerne en rien. Moi, j'ai remarqué là, les gens qui boivent là, les bars secrets, les bars et les églises, mon Dieu. Alors, la pasta roule comme un taxi plein, pasta roule. Les gens sont les casiers de bière, les casiers comme moi, je ne suis pas dans une buveuse là. Je dis que, hey, et vous dites que le pays va mal? Non, vraiment. Moi, Dorcas, on va venir me dire que non, va marcher. Et marche quoi? Non. On mérite
ce qui nous arrive au Cameroun. Non, on mérite ça parce qu'on est d'abord méchant. Non, on est méchant. Moi, c'est aussi ce que je n'ai pas apprécié. Tu fais un petit blog comme tu as fait, c'est comme ça là. Les Camerounais signalent. Regarde chez les Ivoiriens. Tout le monde fait son blog, ils avancent ensemble. C'est un blog petit blog que tu fais comme ça, les Camerounais vont venir signaler pour que tu sois. Ils veulent seulement que tu ne sois plus sur Facebook. Si on les laisse tout Facebook, ils vont faire quoi avec? Tu ne peux pas savoir. Alors que la plateforme est tellement vaste que tout le monde a le droit de venir s'installer. Mais rien que quand tu te connectes là, tu as 50 vues, ça leur fait mal. Il faut que tu quittes de Facebook. Pour qu'ils soient satisfaits. Voilà le propre de l'homme quand même. Je dis que, est-ce que, en tout cas, moi je dis ceci, que normalement, Facebook devait être un, comment on peut dire ça, un moyen de sensibilisation. Non, mais maintenant, c'est le territoire de la sorcellerie. Oui. On pratique la sorcellerie sur Facebook. Et puis moi, tu n'as pas vu ma lame de Facebook là qui était con. Elle a fait là où elle est contente, comme d'autres dames, elle est morte, comme Mado de Paris est morte. Et jusqu'à tu vois les Camerounais dedans en train de la soutenir dans ça. C'est là où j'ai compris que la haine et la méchanceté a atteint son apogée en milieu camerounais. C'est les gens à éviter. C'est les gens à éviter. On dit qu'il y a plusieurs dieux et chacun connaît le dieu qui loue. Chacun connaît le Dieu qui sait. Moi, je sais le vrai, le plus grand des dieux. Et franchement, je ne crois pas à ces choses. Parce que on va beau dire quelque chose, Dieu est la clé de tout. Moi, je tiens à sensibiliser les gens ici, surtout les Camerounais des États-Unis. Franchement, mes frères et soeurs, pardon. Apprenons à nous aimer. Apprenons à être soudés comme les Spanish, comme les Haïtiens. Vraiment. Mm-hmm. Vraiment. Les Camerounais sont fiers quand on insulte. Les Camerounais sont fiers quand on insulte. Tu comprends? C'est quand on insulte que les Camerounais s'identifient dans ça. Ils aiment quand on insulte. Un live de sensibilisation que je suis en train de faire des dénonciations. Si tu as remarqué, quand tu fais tes clashs à moi, je n'entre pas dans. Si tu as remarqué, je n'entre pas dans. C'est ça que je dis que quand maintenant, tu sais qu'avant, quand je venais sur Facebook, je faisais beaucoup dans la sensibilisation et la dénonciation. Élever les consciences, c'est ça que je faisais. Oui. Tu fais un truc de dénonciation, mais si je mets là maintenant que Ngossa, Fokwe, tu vas voir. Non. Moi, j'étais préfet quand j'étais. Non, ne change pas ton. On appelle ça quoi? Ne change pas ta ligne éditoriale. Ton blog. Il faut continuer à sensibiliser, tu vois, non? Et ça va aider. Même ce que tu crois que ça n'ancre pas les oreilles des gens, ça ancre les oreilles de certains. Ça aide. Tu vois, non? Ne change pas. Il va te mélanger, tu vois, un peu. Essaie de. Nous sommes ici, on voit les. Quand je pense au gars qu'on a rapatrié là, deux personnes ont fait rapatrier deux personnes. Ah bon, donc c'est deux. Tu ne crois pas que c'est un problème de Mougouli qui a mal tourné? Même si c'est un problème de Mougouli, ma mère, que c'est quoi? Même si c'est un problème de Mougouli, tu as besoin de. Tu donnes faveur à qui? À qui? Même si c'est un problème de Mougouli, mon frère, jusqu'à donner la graisse, le lieu, tout, jusqu'à dire qu'ils sont en crise là deux fois, ils avaient été rapatriés déjà. Donc, ça veut dire que les gars sont manqués avec deux identités. Donc, imagine, ça veut dire que les gars sont entrés même deux fois. Imagine les risques qu'ils ont. Donc, c'est comme ça, la fille, elle se couchait d'or. Mais elle dort, non. Il sait, est-ce que moi, là, comme elle dit que moi, je suis ici. Je fonce ça avec les Américains, les Jamaïcains et d'autres pays. Avec les Spanish. Mes amis, c'est mes enfants, oh, mes amis, c'est mes enfants, oh. Je sais que mes enfants ne peuvent jamais me trahir, même si je suis sur moi, ils vont me prendre, m'amener à la douche, me laver. Non, moi, ça va rester entre nous, mes enfants ne vont jamais parler. Moi, je fonctionne avec les Américains, les gens qui peuvent m'apporter un plus, parce que les Camerounais, vraiment, je suis désolé, j'aime mon pays, j'aime mes frères et soeurs, mais j'ai été trop. J'étais très touché. Quand les parents de la fille là vont apprendre ça, ils vont faire quoi? Ils vont dire quoi? Ah, ils vont dire quoi? Tu connais ce que c'est quand tu es rapatrié des États-Unis, mon frère? La douleur de ça. La douleur.
je ne peux plus en faire. Parce qu'ici, la papier ou sans papier, chacun trouve son compte. Tu sais ça, oui. Non, ma soeur? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est quand tu fais quelque chose qui est... Tu commets un délit qu'on te check sur toi. Mais si tu ne connais pas, là, yes. Les noirs sont... Les gens qui sont ici 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas de chaos, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas. Non, la fille là, vraiment, si j'étais... Ah, j'ai même la photo de la fille là ici, mais je ne peux pas moi présenter sa photo. Non, parce que... j'ai vu sa photo, j'ai vu ça, j'ai dit que ce n'est pas, c'est pas gentil ça, ce n'est pas gentil ça, c'est la pure méchanceté élevée. Ce n'est pas normal, parce que même ton pied ennemi, tu ne dois pas te faire ça. Même si c'est quoi, moi, ça vous appelle quoi, Mogoulis. Le Mogoulis, c'est quoi? Elle n'a pas le droit de le faire, franchement. Maman, c'est... Après le Mogoulis, l'expression. C'est pas maman, c'est quand j'ai le Mogoulis, quand tu veux tuer l'enfant de quelqu'un, c'est ça, maman. Il a beau ça pour toi. Elle n'est plus que tuer. C'est plus que tuer l'enfant. Hein? Parce qu'elle a tué, elle n'a pas seulement tué l'enfant, elle a tué toute la famille. Tu comprends? C'est toute une famille. C'est toute une famille qu'elle a enlevé la nourriture dans les bouches, ou non? Mais c'est comme ça, quand les gens vont aller faire quelque chose, on va dire que oh, le gars l'a fait ça, pourquoi? Le gars l'a fait ça, la méchanceté l'a fait là. Si maintenant le gars passe et venger là-bas, sur ses parents, sur sa famille, elle va se dire qu'est-ce qu'elle va dire? Pourquoi les gens sont méchants? Ah, pardon. Ma mère, moi, je vais te laisser. C'est tout ce que vous voulez entendre. Je veux pas le travail avec la nourriture. Donc, tu voulais qu'elle sorte alors, comment pour aller payer ça? Mais je sais, je veux revenir, non? Le matin, tu m'as demandé si je peux travailler avec la voiture. Amen. On ne se parle pas comme ça. Ah, maman, merci beaucoup. Welcome back to the USA, my dear sister. Merci, merci. Welcome back. Enjoy. Tu es dans quel état encore là? Je suis à Orlando. Et c'est même dans votre état là que beaucoup de beaux ailleurs passent, non? Je te dis, je suis à Orlando. Sora, viens avec les paquets là. Tu vois un paquet, entre avec, non? Viens avec moi, mais j'attends les paquets, Sora. Tu es en Floride. Oui, c'est le nom de qui tu m'amènes. C'est ça, Orlando. C'est là-bas. Parlez avec le paquet, je crois que c'est le mien, Sora. Le pays, l'État des Républicains. Ouais, et c'est par là que beaucoup de beaux ailleurs, ils passent par la Floride ou par le Texas, si c'est ça, non? Moi, il passe. Moi, je compte les Africains. C'est là où moi je suis. Je compte les Africains. Il passe que par là-bas, la Floride. Il passe par la Floride et le Texas. Voilà les deux États. Oui. Les maillons forts. Au Texas. Il reste plus au Texas. Pas. Oui. Et bon, maintenant, ça, c'est les vivants où? Ceci, moi, je ne sais pas. Je vais encore suivre. Parce que je n'ai même pas suivi tout. Ça m'a tellement énervé. Je dis que pardon. Si ce n'est que pour toi, là, tu maries ma fille. C'est moi-même qui vais écrire sur toi l'immigration. Si ce n'est que pour toi, là, je vais écrire. Parce que vois comment tu me clashes sur Facebook. Je vois ton travail. Si ce n'est que pour toi, là, je vais écrire. Alain Fouda, ne te laisse pas. Je ne peux même pas te rappeler. Tu ne peux pas faire ça. Fouda, tu le connais pas avec moi. Hein. Il a fait l'autre jour ce qu'elle est. Je lui ai banni des commentaires. Tellement il était engagé sur moi. Non. Il est encore revenu. Ce que les gens veulent, là. Visibilité, non. Ma mère, je vais te travailler sur le computer. Tu as commencé le work. J'ai commencé dimanche, la semaine. Tu as parlé ton même work, hein? Bien sûr. Tu as parlé. Ok. Deux mois après ton donnant encore. Je ne suis pas camerounaise. Impossible, pas camerounaise. C'est ça, maman. Il y a confiance. En tout cas, maintenant, si tu étais qualifié dans ton boulot, on va te reprendre parce que. Tout le monde maintenant, les gens sont en train de fuir le travail. Tu sais que tous les Américains sont maintenant que sur TikTok, non? Ils sont en train de faire l'argent sur TikTok mal. Ils vendent les choses sur TikTok. Maman, TikTok est devenu le marché mondial. À partir de 22h23, de voir sur TikTok, tu vois quelque chose. C'est le marché mondial. Ah bon, tous les Américains, les Africains, maman, qui va encore travailler? Peut-être, maman, tu es dans le home health, là, tu ne peux pas manquer le travail. Ils vont te reprendre. Non. Parce que la main d'œuvre, c'est grave maintenant. Je suis dans mon travail, je suis à Advent Health. Je suis là-bas, je ne peux pas. C'est un grand truc là-bas. Je ne peux pas. Elle dit qu'elle vit en Californie, maman. Votre Californie, là, moi, je suis venu là-bas. Pardon, ouais. C'est grave.
Je ne veux pas moi vivre en Californie, oh, maman. La vie est chère là-bas jusqu'à. Là-bas aussi. J'étais en Californie, je suis allée où? Je suis allée à San Francisco. Maman, la vie est chère. Vraiment, regarde les ballons que j'ai commandés pour ma maman qui est venue là. La taille est petite, dis donc. C'est petit. Oh là là. Je ne sais pas là où je vais prendre. Elle a les pieds gros. Je ne sais pas là où je vais prendre les ballerines. Non, même pas là. Non. Ça ne peut pas l'aller. Les ballerines. Quel genre de ballerines? Je vais commander ceci. Ah, oui, je vois ça. Tu vois, oui. Non. Ça ne peut pas l'aller. Elle porte... Pourtant, ça, c'est le... Oh non, 43. Je vais prendre... Elle prend le 44. À Miami, il y a un grand centre commercial là-bas où tu peux trouver ces choses-ci. Hein? À Miami, il y a un grand centre commercial où tu peux trouver ça. Les grandes pointues. Les grandes pointues. Ça va être cher quand tu commandes. Oh non, ça ne peut pas l'aller. Quand tu commandes en ligne, c'est mieux. En bon, hein? Oui, en ligne, c'est un peu moins cher. Quand tu commandes en ligne, oh là là, c'est beau. Ça n'a pas pris sa taille. Il fallait prendre la taille. J'ai pris le 43, je croyais que le 43 devait l'aller, mais hélas. Oh, merde. Pourtant, la ballerine est très belle. Hein. Ah oui, elle est jolie. Ah oui, une très belle ballerine. Oui, c'est clair. Il y avait pris comme ça deux. Où est l'autre? Attends, je te montre l'autre. L'autre, alors, tu vas aimer jusqu'à... Les deux sont venus toujours, même ça est comme ça là. Elle chose normale, elle a quel size? Elle prend le 44-45, elle a les gros pieds. Il fallait prendre le 45. Regarde l'autre que j'ai pris, tu vois. Ouh, c'est joli. Aïe! C'est vraiment joli. Oui, c'est joli. Je te dis, c'est venu, c'est ma pointure. Cette elle, ça ne peut pas la dire. Il fallait prendre le 45, c'est-à-dire je vais encore comment commander. Il faut prendre le 12, je crois que c'est le 12 ou bien le 11 et demi que tu dois prendre. Yeah, tu as vu. C'est beau, c'est très beau. Moi, nous, on a la chance d'avoir les belles pêches parce qu'on a les petits pieds. Non, vous qui avez les petits pieds là. 8 et demi. Moi, je mets du 40-41. Ouais. Ça là, c'est du 43, mais comme c'est un cuir qui tire, donc quand tu mets dans tes pieds, ça ferme. Ça ferme. Non, moi, je suis du 40. Un 40 me va. Pardon, 41. C'est dans les clashs, pardon. Moi, je te préfère quand tu sensibilises. Pardon, quand tu es dans les clashs, moi, je n'ancre même pas. Maman, tu vas faire comment, ma soeur? C'est non, le lait qu'on Que le silence, on dit quoi là? On dit que quoi là? Le clash déjà là, ce n'est plus une affaire de silence. Tu maman, ça te touche là où ça doit te toucher. Parce qu'elle te clash, tu n'as pas vu qu'on a insulté ma mère là sur Facebook. Tu vois, c'est un truc que tu vas laisser, maman, la douleur de ça. En quand tu viens de perdre ta mère, quelqu'un lance un live, elle insulte ta mère et elle fait un record. Elle récolte $1,700 en insultant le cadavre de ta mère, maman. Hey. Tu vas dire que tu la laisses, tu remets à Dieu. Ah. Ah, pardon, Facebook. Moi, justement, quand il y a les sensibilisations, pardon. Ah, quand c'est comment? Si tu as son couetou, tu vas montrer ça sur Facebook, que ça la rote aussi. Le couetou, c'est quoi? C'est quoi le couetou? Tu as souvent le couetou et le mongolie. Tu as dit mongolie. Tu me fais vous mettre, il faut coder. Tu ne codes pas sur l'onden. Il ne connaît pas. Tu as son couetou aussi, Facebook, ça ne donne pas le lait, ma soeur. Ça ne donne pas le lait. Ah, moi, parfois, c'est mieux. Même si tu vas faire les lives de sensibilisation, même si tu as 50 personnes, c'est mieux que d'insulter, d'avoir 300. Tu te demandes même que je m'insulte, même avec l'équipe. C'est ça. Quand je me mets à dire que j'insulte celle qu'on appelle Kechara, quand je la regarde, je me regarde. Est-ce que j'ai le droit de me mettre à l'insulter même? Ça, c'est vraiment. Au pays, là, c'est quand tu es sensible, quand tu es en train de jubiler, là, quoi là, c'était quoi là, les gens qui ont eu la loterie américaine. Oui. C'est là où je suis en live. Je dis que non, ça, c'est très bien. Tout et tout. Mais donc, tu vois, alors que cette année, je vais encore lancer ça. Tu es là, maman. Pourquoi? Non, les Camerounais sont très méchants, maman. Il faut les laisser là où ils sont là. Moi, je cherche même comment faire pour aider même aussi certaines personnes là-bas, les gens qui ont le bac là cette année. Et prendre le temps pour aider les gens. Comme toi,
tu te maîtrises un peu sur les histoires de migration, là, n'est pas on va souvent faire les petits, là, tu viens aussi, tu donnes aussi les petites idées aux gens, comment on fait. Par exemple, il y a les gens qui m'appellent là-bas en Bengdo, quand ils viennent aux États-Unis, ils font comment, ils savent qu'ils veulent dire quoi, même. L'Amérique n'est plus comme avant. Moi, quand j'ai vu, j'ai fait ça, et puis j'ai aussi mon avocat, donc... Oui. Moi, c'est... L'Amérique n'est plus comme avant. L'Amérique est devenue très compliquée. Oui, il faut aussi savoir que je ne parle pas aussi pour rien. Je ne peux pas aussi donner mes idées pour rien. Quelqu'un qui a besoin de mes services doit me contacter. Il me paie mes services et puis je lui donne les démarches à suivre. Toi-même, tu vois, alors nos frères au pays, là, ils ont quoi? Ce n'est que le bénévolat. Il y a aussi des gens. Tout ce que moi j'ai fait l'année passée, là, même si quelqu'un m'a dit, ce n'est pas les mêmes gens qui ont créé les faux profits qui m'ont insulté là avec qui tu as fatigué. Non, puisque même si tu pars, même voir le note, l'avocat, non, tu payes le est-ce que... Voilà. Alors, au moment où on les aide seulement, ils ont l'argent pour aller payer l'avocat. Ils n'ont pas. On les aide seulement. Je veux plus focus sur les orphelins, là. C'est pas les cris de Camerounais, là, yeah. Non. Après, yeah. Moment, et puis... Maman, les cris des Camerounais, il était dit que maman a préféré to stay away parce que maman, la personne qui sent qu'il est fatigué, il part étourdie là-bas, il se couche au sol, il crie là-bas. Oui, c'est ça. Parce que c'est facile de rester dans les maisons, pousser les autres à aller mourir pour vous. Non. Si tu vois que ta souffrance atteint son apogée, tu connais la route d'étourdie, non? Tu pars devant étourdie, la barrière d'étourdie, tu te déshabilles. On te filme et on partage sur Facebook. On m'a dit que voilà un Camerounais que la souffrance a fait, il veut se déshabiller, c'est ça? Ouais! Oh, bon Dieu! On dit que Dorka, il faut dénoncer, Dorka, il faut faire. Ah bon, hein, c'est moi qu'on doit aller tuer au Cameroun. Ceux qui ont dénoncé sont. Pardon, on laisse mon père. Ceux qui ont dénoncé sont. Voilà l'autre, Martinez Zogo, il est où? Les Ateba et Yene qui ont dénoncé jusqu'à ils sont entrés dans l'histoire, ils sont où? Les gens, les professeurs Kamto qui ont dénoncé jusqu'à, il a fait où ses 9 mois de prison. Le professeur Fogué, il est où? Il n'est pas en prison aujourd'hui. L'autre, Bibou Nissak, qui a seulement dénoncé, n'a même pas marché, on est parti l'arrêter chez lui, il est où? Arrêtez d'envoyer les enfants des gens à la pâture. Moi, une comme moi là. Vous voulez, vous dites que je suis sardinado, je suis quoi. Maman, ça ne peut pas m'intimider que je n'ai pas donné ma tête dans... Je n'ai pas mettre ma tête dans la gueule du loup. Jamais de la vie. Moi, je suis à politique. Les gens qui sont en face, ce n'est pas les enfants de cœur. Je vous ai toujours dit ça. Et moi, je suis à politique, donc je ne veux même pas parler. Voilà. Ouais. Quelqu'un ne peut pas me mêler à ça. Jamais. Je parle ce qu'elle voit qu'elle peut parler, ce qu'elle voit que ça va me mettre dans l'ondem. Je reste moi à l'écart. Voilà Amé Kamé qui a parlé l'affaire d'amour. Oh, 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 voilà qui est calme aujourd'hui. Parti au Cameroun, il a peur. Poulet. Il a pardon. Voilà. Lui-même, sa bouche, il croyait que quand il parlait là, on l'acclamait, il voyait les 20 000 personnes connectées, on l'acclamait, les gens disaient, oh, vas-y. Il citait les noms des gens, le voilà aujourd'hui dans l'ondem. C'est qu'il est une place. C'est un bipolaire. Depuis qu'il a marché sur ses frères. Voilà. Parce que ses frères camerounais africains. C'est le prix de la trahison. C'est le revers de la machette qu'il avait sorti pour montrer qu'on découvre les Bamileke. C'est ça qu'il va payer maintenant. Par contre, comme moi, il y a seulement les directs qui sensibilisent. C'est là où moi je peux entrer, mais guette à la fenêtre. Mais quand ils entrent dans les gens, non, moi je n'aime pas là où il y a la haine. Je n'aime pas là où il y a la haine. Allié Jay, il est en train de les framponner bien. J'ai vu un appel là où il a fait ce compost. Il dit que compost ne connaît pas lire ni écrire. J'ai vu jusqu'à faire quelque chose. C'est bien, non? On lui dit que c'est tous les gens qui sont partis à l'école qui deviennent quelque chose. Est-ce que tu parles quand tu as les diplômes, tu as les milliers de diplômes? Est-ce que quand dans une autre terre, tout en retournant, écoutez comment il a été lavé correctement son compresseur. C'est quelqu'un là, c'est ça que les amis, les gens qui étaient avec lui hier, qui l'ont soutenu comme ça, soutenu. Si ce n'était pas eux là, c'est que Amo l'envoyait en prison, mais ils ont pris sur eux de le défendre. Aujourd'hui, il y a les gens. C'est pas quelqu'un. C'est un salaud. Excusez-moi d'être. Pardon, même les gens avec qui va aller s'allier.
il ne serait pas possible. Pardon, ça m'a bouche à glisser. Il dit que le combattant ne connaît pas lire. Quel lit que les images? Je ne sais même pas quand le combattant fait la réaction de ma carte. Quand il tient peut-être, si je me parlais au combattant d'avoir raison, je peux raconter comment. Le ami se mord du compresseur. Quand il fait ça, il dit Amine. Moi, il n'y a pas de Facebook comme ça, je dirais. Je dis sensible, c'est pardon. Il se mord du compresseur comme il ne connaît pas lire. Oh, c'est un problème. Quand tu poses sa famille, ça me boule. Il a un compresseur. Je sais que quand tu supposes. Avec tous les dents arrachées là. Je ne savais pas revenir dans la poste. C'est-à-dire que, si on me dit un jour que Amir Tami, ce n'est pas ton fantasme, je lui dis que non, j'aimerais un peu que la baisse avait l'air de ça. Parce que la baisse avait l'air de ça. C'est pas normal. C'est avant. Pardon. C'est que moi, je dis que moi, j'aime les directs de sensibilisation, pardon, les histoires. Bien. Moi, j'écoute quand tous les blogueurs, les blogueuses, là, quand moi, je veux. Quand c'est les histoires de clash, moi, je suis pas mal dedans. Mais quand je vois que quelqu'un parle de sensibilisation. Toi, Camerounaise, c'est le clash, non, maman. Tu suis le professeur Yamsi. Non, je ne suis pas moi. Tu vas alors sur qui fait la sensibilisation. Là, toi, Camerounaise, c'est le clash. Non, moi, je ne suis pas. Toi, Camerounaise, c'est le clash, c'est le Japap. Par contre, il y a souvent, c'est que je veux te dire que je suis même qui m'aime. Je vais te dire que je suis même qui. Bref, quand tous les blogueurs, là, ou bien blogueuses, quand ils font un cri, c'est là, ils sensibilisent. C'est n'est que le clash, il n'y a aucune sensibilisation. C'est le clash tous les jours. Il y a qui sensibilise sur Facebook. Donne-moi une seule page. Eh bien, que moi, j'aime aller sur YouTube. Jikamino, c'est le Congo, ça. J'aime aller Amen, sur YouTube. Amen, c'est le Congo, ça. Jean Lumé, ça, Congo, ça. Flore de Lé, Congo, ça. Là-bas, c'est mon ça. Père. Là-bas, c'est mon père. Ça. C'est mon ça. Père. Là-bas, c'est mon père. Hein? Mon père, parce que sa fille porte mon nom. Donc là-bas, il l'appelle mon père. Qui? Donc, c'est qui? Quoi là? Le père ça. De lui. Et puis, ma famille, donc moi, je respecte tous les Tani. C'est là-bas, je. Ah. Oui, donc l'autre là, je respecte les Tani parce que c'est un don de Dieu. C'est ça qu'elle dit que même celui, c'est le Japap, non? Mais il y a parfois qui sensibilise aussi. Hein. Mais c'est rare, c'est plus bon. Le Japap. Ça fait aussi longtemps, j'ai plus vu les directs. Tu vois, c'est le Japon qui a fait qu'il se clash avec un mec quand même maintenant. Il est parti porter l'eau quand même. La malade de Facebook. Pour lui mettre dans sa page. Et il a coupé l'Eva à un mec quand même. Parce qu'un mec quand même voulait avoir le buzz là dans sa page. Un mec quand même. Vous ne voyez pas que lui est dans la franc-maçonnerie. Pourquoi les gens même ne voient même pas les choses qu'il faut voir? Il est dans la franc-maçonnerie. Vous ne voyez pas les bagues qu'il porte là? Vous ne voyez pas ça. Moi, j'ai eu l'occasion de faire... Il peut aussi faire quoi là-bas? J'ai eu l'occasion de j'ai fait l'hôtellerie au pays, quand j'étais encore au pays. Je faisais au Méridien. Je travaillais à l'hôtel au Méridien, qui n'est plus... C'est fermé maintenant. Ils avaient souvent... Quand on faisait les décorations, les réceptions là, il fallait... Moi, quand c'était eux là, eux-mêmes ils viennent décorer avec les tableaux, les tu vois les écrits qu'ils ont sur lui. C'est pas là où j'ai vu les insignes de franc-maçonnerie. Il est dans la franc-maçonnerie et je l'ai envoyé chaque fois qu'il fait ses directs. Il dit que mon frère, tu n'es pas crédible, toi-même tu n'es pas simple, tu es dans la franc-maçonnerie. Il est dans la franc-maçonnerie. Donc il ne faut pas. Quand ce qu'il fait là, ce qu'il fait, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il est dans la franc-maçonnerie, il a les indices sur lui, il a les bagues. Il a les bagues, il a même les trucs là sur. Quand il porte souvent ses vestes là, il a les trucs là. On appelle ça comment, mon Dieu? Il a ça sur lui. Mm-hmm. C'est un gars simple. Pourquoi les gens sont en train de rire avec lui pourtant? Non. Il est dans la franc-maçonnerie. Bon, maintenant, je demande que ça le sait alors quoi? Parce que moi, je ne vois rien de bon dans sa vie qui peut vraiment me plaire jusqu'à... Je vais dire que je n'ai pas fait ça. Ça le sait alors quoi? Quand tu vois sa vie, toi, tu vois que c'est une vie que quelqu'un peut envier là-bas. Peut-être l'entrée là pour te dire que pour une protection, bien pour que quand il parle, il protège que quelqu'un va vouloir quoi sur lui? Il a quoi? Non, peut-être... Sa vie, c'est un fiasco.
Il va. Il a quoi que quelqu'un va manger sur lui, qui va aller dire qu'il se protège. Un milliardaire peut se protéger, que non, je me protège pour mes milliards. Lui va se protéger quoi? Ah, je vois qu'il y a les francs-maçons ici aux États-Unis. Ils sont là-dedans pour construire le pays. Pour faire du mal, les frères et sœurs. Aux États-Unis, les gens sont dans. Pour être même dans la franc-maçonnerie aux États-Unis, c'est pas dedans n'importe qui. Il faut avoir. Il faut être riche. Et puis, c'est pour aider. C'est pour construire les routes. Tout ça, les routes, les développer le pays. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas vraiment. Moi, je ne peux pas envier quelque chose sur lui. Il est dans la franc-maçonnerie. Et quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie, quelqu'un qui prie Dieu vraiment. On n'est pas. La femme misérée. Donc, j'ai menuisé Alain Fouda. Il est. Tu veux venir marier ma fille avec tes du meng là, comme le pape, comme le pape bourré. Oui. Là, quand tu claques les joues de ma fille, c'est comme. Ouais, Seigneur. C'est sûr que c'est les gens qui viennent arranger mon fils. C'est là. Ok, maman, bisous, non, bye bye, je vous aime très fort, bye bye.